Tac, tac. Bon, ben, le stream est lancé, tout fonctionne. Il faut juste que j'arrive à régler ce petit problème. Modifier le profil du serveur. Pseudo, l'EMJ. Da MJ. Oh, da. Ça ne change rien. Da. Non, la musique de cette pub est une mauvaise référence. Que c'est les cigales. Celui qui a fait da. Elles sont en meute, elles se rapprochent. Ah, c'était une pub. Ah, mais non, je sais ce qui manque. Malheureusement. Du talent. Il manque le bot. Il manque le bot. Il manque le bot. Que quelqu'un apporte le bot. Ouais, je vais mettre un truc vite fait et puis après je changerai vers quelque chose de. Tout est calculé avec le bot et c'est pour ça que ça déconne. Mon dieu. Mais ouais, on va mettre sur un truc bidon et puis je vais aller chercher autre chose en attendant. Ah, et voilà, là tout fonctionne. Tout le monde est à sa place, parfait. On pourrait arrêter d'avoir des trucs qui tiennent à peu près aussi bien qu'un régime politique en Afrique, s'il vous plaît. Ça dépend du régime politique en Afrique. Il y en a qui sont prestables. Ouais, j'avoue. Oui. C'est... À quel prix? Putain, mais c'est... Oh, oh merde. J'ai envie de dire la même chose de nos propres régimes, mais... Non, mais ça fait surtout, tu sais, politique de comptoir. De comptoir, mais oui. À quel prix? À quel prix? Tu sais de quoi ça... tu parles? Non, pas du tout. Oui, moi j'ai plus une BHL, suis... quoi, c'est pas plus... Mais j'en suis à ma troisième bière. Je le vois le... Fais-moi BHL. Du coup, est-ce que notre cher Edouard peut nous faire un petit résumé de la partie précédente? Ah oui, alors la partie précédente. Nous avions, il me semble, nous avions démarré la session précédente dans la chambre d'hôtel après avoir poursuivi le... Comment dire, l'étrange assassin, le truc, qui fasse à tant de charisme que représente ma personne, essayer de s'autodétruire plutôt que de me parler. Alors, je comprends, hein, ça arrive à tout le monde. Et nous étions rendus compte que cet androïde était la somme d'énormément de parties extrêmement développées. Je viens de voir ta vanne, c'est Gena, c'est parfait, elle, c'est parfait. Elle est très bien. J'en perds pied, c'est dire. Nous avions statué qu'effectivement c'était un androïde extrêmement développé pour ce que c'était, et que ça venait très probablement de la... Enfin, je ne sais plus de l'origine qu'on avait. Suite à cela, nous étions partis plus ou moins... Enfin, le lendemain, nous avions été invités à une réunion de la plus haute importance concernant un espace de stockage qui était soit alloué aux armes, soit alloué aux pièces d'études scientifiques. Ce sur quoi, du coup, je ne sais plus lequel de ces enfoirés... c'était Antoine Claire, je crois. Non, Antoine Claire, c'est le gentil. Antoine Claire, c'est notre patron, c'est celui qui est complètement dépassé. Ouais. Non, c'est Marin. Voilà. Suite à cela, du coup, donc c'était un conflit entre Vassiliev et Douyou. À ce niveau-là, où du coup il demandait notre avis en tant que en tant que partie neutre, je suppose. Et au moment de la fin de l'exposition, Marin décide de me demande de me parler en privé. Donc moi, évidemment, bon, moi je prends l'absolu, j'ai rien contre discuter un peu avec un ancien collègue, pour m'apprendre que visiblement une très ancienne connaissance à moi a décidé de placer une toute petite somme sur ma tête. Et me proposait très humblement de participer à la bonne continuation de cette expédition à ses côtés, en faisant tout ce qu'il disait, ou alors il se trouvait que bon, il se pouvait que ma tête finisse sur une pique et renvoyer là d'où je viens avec moult petits cadeaux pour son ancien ami. Donc j'ai fait ce qu'on m'a demandé. Zegada a décidé de me détester, mais bon, enfin, je veux dire, ça change pas d'habitude. Et suite à cela, il me semble que suite à la résolution de cette affaire, nous étions partis, enfin l'expédition était partie en tout cas, et que j'essaie de me rappeler, il me semble qu'on n'a pas trouvé des trucs fabuleux jusqu'à arriver à une certaine profondeur où en fait effectivement on a commencé à avoir des hallucinations collectives, à avoir des dauphins, qui était un peu ennuyeux là, ainsi que du coup une trace de vie sous-marine. Et auquel le docteur Douyou a réagi du coup en toute rigueur scientifique et en toute poséitude,
en piquant un navire d'exploration pour se tirer directement vers la source du signal, ce qui a été évidemment salué par l'intégralité de l'équipage et du personnel de commandement. C'est faux, on a failli la bazarder à coups de missile parce que sincèrement, ça commençait à faire un peu lourd, là, la scientifique qui pète les plombs. Après, il me semble que nous avions détecté... Nous avions essayé d'envoyer quelques drones à sa poursuite afin d'avoir des images et des senseurs, etc. Tout s'était revenu, enfin, n'était pas revenu d'ailleurs, tout simplement, parce que les câbles avaient été déchiquetés. Et nous avons découvert également, du coup, nous avons essayé de nous poser au centre de la. Enfin, nous poser au sol, avant de se rendre compte que nous étions posés, du coup, juste à côté d'un navire, d'un navire civil, d'où émanait un peu de lumière, etc. Bon, c'est peut-être un peu le bordel, hein, n'hésitez pas si jamais vous avez des infos. Supplémentaire. On a essayé de renvoyer un drone, il s'est refait dévorer, ou du moins il s'est fait péter, quoi. Jusqu'à ce qu'on découvre que déjà, du coup, le duc avait été tombé dans les pommes, parce que visiblement, il avait vu un truc qu'il ne fallait pas voir, et le docteur Zegeda commençait à déblatérer des idioties à base de gosses dans un sous-marin abandonné depuis trois mois. Donc ça commence à être un peu compliqué en termes de confiance dans l'équipe à partir de ce moment-là. Jusqu'au moment où effectivement un sas s'est ouvert, un sas de notre navire s'est ouvert. On s'est rendu compte que j'avais raison. Oui, c'est pas pour ça que franchement on continue pas de te regarder mal. Hein. Oh bah, tu peux parler toi. Bah, je peux plus te regarder. Au moins il me reste encore, pour le moment il me reste encore mes deux yeux pour pleurer certes, mais c'est que ça. Et du coup, le gosse était là, il parlait visiblement, c'était un polarien, très étrangement. On n'a pas eu plus d'infos que ça, à part que ça faisait un moment qu'il était là et qu'il nous parlait d'un gros truc qui passait dans le coin. Et au moment où le duc s'est réveillé, a commencé à nous dire « Franchement, les gars, il y a un truc », l'illusion a disparu et nous sommes retrouvés du coup face à un Léviathan qui nous regardait, dans le plus grand des calmes, et qui avait visiblement très très peur de quelque chose, et nous avions supposé que c'était la présence du coup d'énormes requins à côté de son œuf. L'œuf qui d'ailleurs se trouvait juste en face de la porte du sanctuaire des ingénieurs. Non. Je crois que tu t'es embrouillé là. L'œuf, il est dans l'immeuble. Dans l'immeuble, mais justement, l'œuf était devant du coup la porte du sanctuaire qu'on était censé récupérer. Oui, voilà, en fait, c'est compliqué de passer sans. Oui, c'est ça. Voilà, et en fait, du coup, on commençait à se dire qu'effectivement, essayer d'envoyer l'expédition là-dedans énerverait peut-être un peu le Léviathan et du coup résulterait à notre mort à tous. Bah, fallait surtout pas toucher l'œuf, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, il semblait que. Du coup, nous avons récupéré le contact avec le docteur Douyou qui nous a fait part exactement des mêmes infos. Et suite à cela, du coup, le duc Rancart a décidé de faire montre de ses talents et de ses, comment dire, de ses capacités, en faisant s'évanouir la moitié de l'équipage sur la pala, sur le, la, sur la, comment dire, sur la, sur la, sur la baie de commandement. Donc tout le monde a trouvé ça très impressionnant. Petit détail, l'objectif était de tuer les requins. Il a tué les requins. Oui. Hein, juste les effets secondaires étaient un peu. La première fois qu'il a utilisé ses pouvoirs, c'est il a fait s'évanouir les trois quarts des gens sur place. Donc tout le monde a fait ouais, c'est très impressionnant, maintenant arrêtez. Il a fait oui tout de suite. En fait, bah, il n'a pas pu. Donc ça a fini par revenir petit à petit, on n'a pas trop compris comment. Et après il s'est dit tiens, je vais aller parler à la grosse bestiole. Alors c'est faux, tu te trompes au contraire. J'ai réussi à manger au moment d'arrêter. C'est quand on m'a demandé d'arrêter et j'ai arrêté immédiatement, tu te souviens mal. C'était arrêter maintenant et là j'ai arrêté. C'est vrai parce que tu t'es foiré sur ton sort, t'as fait s'évader tout le monde et tout le monde a fait « Ok, on vous croit, vous êtes un magicien, arrêté. » Et c'est là que t'as réussi à rattraper le coup. Mais effectivement, tu t'es foiré à l'origine. Effectivement, je n'étais pas très concentré parce que j'étais en train de charger mon revolver, une balle pour toi, une balle pour Zegana, parce que ça commence à être un peu n'importe quoi cette histoire. L'unité du groupe. Il y en a une qui commence à gueuler « Il y a un gosse, mais ta gueule, il n'y a rien, il n'y a pas de lumière dans ton machin. » Finalement, il y a un gosse. C'est pas qu'elle est gueulée qu'il y a un gosse, c'est qu'elle est ramenée dans le vaisseau. Oui, on n'a rien à faire de toutes les sécurités. Entre elle et l'autre scientifique qui fait encore plus de conneries, c'est pas mieux. C'est ça, ouais. Franchement, la partie scientifique de l'équipe commence un peu à péter les plombs, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est la pression ou le stress. C'était vraiment la partie, les gars. C'est les mêmes scientifiques que dans le film, le préquel d'Alien, là. Qui voit des œufs, qui vont regarder ce qu'il y a dedans. Ah, Prometheus, non, Prometheus. Je peux pas me comparer avec les scientifiques dégueulasses de Prometheus. Oh, des choses bizarres. Les gars, mais les gars, prenez les sécurités. Oh, non, vaisseau étrange, allons-y sans aucune protection.
Je veux pas. Ah bon. Je veux tester Passons. Grâce à mon détecteur de pièges au contact. Et du coup, suite à ça, il a décidé de rentrer en contact du coup avec le. On est allé parler au gosse et suite à ça, il a pris contact avec le. Comment dire le Léviathan, où on a compris qu'effectivement, il commençait à flipper, on a hésité, on a théorisé que c'était à cause des requins. Et il a décidé de faire un sort, je crois, d'apaisement ou d'endormissement, je sais plus ce que tu voulais faire à la base. C'était de l'apaisement. De l'apaisement pour finalement se foirer complètement, griller les trois quarts de l'équipage, moi compris, et du coup nous laisser dans un état. Oui, les requins compris d'ailleurs, mais ça se. Oui, j'ai envie de. Voilà. Du coup, nous nous retrouvons dans une carcasse. Enfin, vous vous retrouvez dans une carcasse d'un vaisseau extrêmement bien équipé, sans équipage, ou du moins les trois quarts qui restent sont assis en train de baver et les autres sont probablement ont la régression mentale d'un enfant de 12 ans avec un fusil à pompe. Donc bonne chance avec ça, et il me semble qu'on s'était arrêté là. C'était effectivement arrêté là, c'était déjà pas mal. Alors je vais me permettre de faire un résumé avec les bons côtés. Vous avez trouvé l'entrée du tunnel qui est censé mener au tombeau généticien. Il n'est pas accessible. Mauvaise nouvelle, il y a un œuf de Léviathan devant. Bonne nouvelle, vous avez trouvé des manières de communiquer avec ce Léviathan. Mauvaise nouvelle, vous avez foutu en l'air la moitié de l'équipage en tentant de le faire. Et autre mauvaise nouvelle, il y avait plein de requins géants dans les environs. Bonne nouvelle, Duke Rancart, en faisant cramer la moitié de l'équipage, les a aussi cramés eux. Donc il y a du bon et du mauvais. Non, la seule bonne nouvelle qu'on a, c'est que les requins ne sont plus une menace. Et sinon, bah une menace pour qui? Il n'y a plus personne. Et la conclusion après que Rancart ait réussi à récupérer un peu ses capacités mentales, la conclusion auquel Rancart était arrivé, c'était que de ses connaissances, ainsi que les connaissances de Zegana, les Léviathans sont des créatures connues pour être particulièrement douées à manipuler l'effet Polaris, en tout cas bien plus que les humains. Du coup, vous étiez dit que peut-être on pourrait négocier avec lui en remerciement d'avoir protégé l'œuf des requins, un petit soin de groupe, il n'y a pas d'autre terme, pour tenter d'aider un peu l'équipage. Et si je ne m'abuse, on avait même conclu de mettre tout le monde avec nous pour le soin de groupe, sauf un qu'on enverrait très loin. Oui, sauf Marin, oui. Sauf Marin qui va malheureusement se manger une enclume sur la tête. Je vais essayer d'en profiter pour se débarrasser de lui. C'est ça. Marin va voir là-bas. Oui, voilà. Okay, c'est ça. Marin va nager dans l'eau. Non, mais ça sert à rien de le tuer. Ça sert à rien de le tuer. Il faut juste le laisser dans cet état-là. Sans plus. Voilà, on dira, c'est con, ça a pas marché, mais on n'a pas compris. Tu vois, donc ça va. C'est au cas où, comme c'est une personne très importante, on l'a isolé dans une cellule qui protège les ondes Polaris, en admettant que si on est ça. Vous savez pas ça. Vous savez pas ça. Non mais tu le fous juste dans une cale, sous une caisse, et puis c'est bon, ça ira. T'exprimes juste au Léviathan, tout le monde sauf lui. Vas-y, exprime un concept. Démerde-toi. Grande question, actuellement, mon cher Duc, tu es la seule personne de l'équipage à pouvoir jouer. Zegana, Edouard et quelques membres d'équipage, notamment Antoine Claire, Morgane... Helm, pardon. Sont encore dans un état mental suffisamment stable pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir prendre des décisions et pour pouvoir réfléchir, mais tout le monde sait que là vous avez la capacité de réflexion de quelqu'un qui a une énorme gueule de bois, genre vraiment vous êtes dans un état pas possible. Ah, plus que de la réflexion, c'est de la volonté hein, qu'on a perdu plus oui, que l'intelligence, oui, ce genre de choses hein. Oui, certes, mais disons oui, que mais là, que vous, là avez vous avez beaucoup de volonté quoi. En fait, oui, le problème, c'est que certes, ça ne va pas toucher à vos capacités de 1 plus 1. C'est juste que là, vous êtes en panique totale, vous ne comprenez rien, vous avez beaucoup de mal à savoir quoi faire dans cette situation, et votre manque de volonté fait qu'en plus, là, vous êtes juste full paumé, en fait. C'est là qu'on réalise qu'on a la volonté d'habituelle de Edouard, donc on se rend compte de ce avec quoi il vivait depuis des années. Et ça nous fait mal. Bon, le jour où je me réveille, on va marquer un temps de silence pour Edouard. C'est donc ainsi de se sentir tel Edouard. Quelle vous voyez Edouard qui bave, mais son regard a l'air rempli de rage, mais vous savez pas si c'est de la rage ou juste un regard vide. De la bave. Votre armurerie vivante est en train de baver sur le sol. Faites quelque chose. Mon cher Duc, que fais-tu du coup?
pendant que les saxophones s'enjaillent. J'ai dit dans un... Non, non, mais enfin, je pense que je vais essayer de communiquer avec la grosse bête pour lui demander, pour lui dire Help, we need healing. Appuyer sur H pour. En tout cas, moi, dans une lueur d'intelligence ou de volonté ou ce que tu veux, je vais aller retirer les armes des mains d'Edouard. Hein. Tu vas me faire un jet de volonté parce que c'est, parce que ça te semble être une très bonne idée, mais aller retirer les armes d'un homme qui bave et qui est végétatif, c'est-à-dire que pour un mauvais moment où tu le stresses un peu. Ça se trouve, par réflexe, il se serrait les mains et tire des balles n'importe où. Ouais, bah, oui, bah, il... Je sais pas s'il les a dans la main, les armes, hein, il les a pas dans la main, il les a juste sur lui. Pour le coup, vu la situation, ça me surprendrait pas qu'il les ait eu dans les mains avant de se faire... avant de se faire lobotomiser, étant donné que vous étiez tous dans une situation particulièrement stressée, et qu'Edouard était effectivement dans une situation où il était prêt à tirer sur n'importe qui. Bah non, du coup, ça passe pas, hein. Donc j'y vais pas, hein, j'ai un peu peur. Bah du coup, non. Tu te mets derrière un meuble, te disant que si jamais Edouard tire comme ça, au moins tu t'en prendras. Alors, une. J'ai... Non, parce que je vais pas mettre derrière un meuble, je vais mettre derrière quelqu'un, plutôt. Tu vas te mettre derrière qui? Derrière Marin. Pas spécialement derrière... Oui, derrière Marin, par exemple, mais oui, pourquoi pas. Très bien. Disons comme ça, s'il meurt, j'aurais pas directement ordonné qu'il meure, donc je garderai mon honneur de... Parce que je peux pas légalement parlant le faire exécuter tout de suite. Je rappelle simplement que personne ne sait que c'est moi, hein, normalement. Ah mais je sais pas que c'est toi, moi. Ah non, personne ne sait que c'est... Moi, je sais pas ce qui s'est passé. Hein. En fait, personne ne sait ce qui s'est passé. Et même si jamais tout le monde se fait soigner, personne ne sait ce qui s'est passé. L'effet Polaris, c'est quelque chose de trop rare et de trop peu connu pour qu'on puisse t'accuser d'être à l'origine de ça. Dans la grande majorité des cas, les gens vont accuser le Léviathan d'être à l'origine de ça. Mais toi, tu sais. Toi, tu connais le responsable. Minos. Fais-moi donc un petit jet de maîtrise de l'effet Polaris. Fais-moi un petit jet de maîtrise de l'effet Polaris pour réussir à communiquer avec le Léviathan. Il y a un monde où ça passe, il y a un monde où il va falloir que j'essaye plusieurs fois. Alors. Vas-y, on croit en toi. On a pas vraiment de toi en voyant ce que t'as fait à Edouard. Bah, avec ce que j'ai perdu, c'est qu'une chance sur deux. Hein. C'est un échec. Sauf si j'ai un bonus. Après, ce qu'on vient de faire, on sait pas. Non, tu n'as pas de bonus. T'es dans une situation beaucoup trop stressée. Oui, mais il est réceptif, le Léviathan. Voilà. Mais le Léviathan est très réceptif. Alors, laisse-moi juste vérifier. Si. Qu'est-ce que. Et là, le Léviathan n'a pas compris, il nous envoie une deuxième onde de dégâts. Attends, l'onde de dégâts, c'est comme qu'il l'a fait. Hein. Oui, là, tu te refais la même, on repart tous de volonté. C'est ça. Bah, déjà, estime-toi heureux que le machin n'est pas considéré que l'onde de débilitation, il est considéré ça comme une attaque perso. Hein. Bah, ça l'a pas affecté, je pense. Hein. Non, il est il a beaucoup trop de stats pour pouvoir être affecté par ce genre de truc. Le machin, c'est un truc, c'est une émanation de l'effet Polaris, limite, donc... Oui, donc, ouais. Lui, il est en mode, tiens, il y a du vent, quoi, à la limite. Ah. C'est... Mais, ouais, voilà, ouais, c'est... J'ai cru sentir quelque chose. La météo est pas ouf, c'est ça, ce truc qui t'a dit. Alors, très bien. Du coup, tu as le choix. Tu as le choix parce que j'ai modifié, oui. J'ai pris un suite à dernière session, j'ai modifié un petit peu le fonctionnement de l'effet Polaris pour éviter les catastrophes permanentes, enfin les catastrophes incontrôlables. Ah, c'est gentil. C'est gentil. Tu as le choix de forcer la réussite du jet de dés. D'accord. Tu feras donc ton jet de dés sera donc une réussite. Enfin plutôt ce que tu voulais faire sera réussi, mais tu me feras un jet de dés sur le jet de tableau classique. Ou tu acceptes l'échec de ton jet de dé et tu peux relancer de manière comme tu veux. Classique. Ouais. Ce qui ne te fait pas prendre de jet de dé sur un jet sur catastrophe, c'est juste tu acceptes. Par contre, tu vas prendre un test de choc. Donc physiquement, tu vas en prendre plein la gueule parce que tu arrives à compenser la catastrophe, mais tu la compenses toi avec toute ta volonté et ton corps. Oui. Ça fait que en situation extrême, vous pouvez toujours forcer des réussites et vous pouvez toujours aller tenter un peu avec la chance. Mais d'accord. Que, de manière plus classique, quand tu feras des conneries, ça te tombera plus souvent sur toi. Oui, ok. Quel est ton choix, du coup? Bah, vu la situation, on veut forcer une réussite, je pense.
Très bien. Tu vas donc me jeter un dessin. Ok. Sur la table des incidents Polaris, et ce sera une réussite, dans tous les cas. Enfin, tu arriveras à communiquer avec cette créature. Je vais juste voir 43. Je vais juste voir. Le vaisseau explose encore. Ah bah, des encore. On a encore. Vraiment pas de chance. Eh ben, au final, ça va plutôt bien. Enfin, ça va plutôt bien pour beaucoup de personnes, mais peut-être pas pour toi. Tu vas faire un gilet de résistance au choc avec un malus de moins 5. Donc, que dois-je faire? Donc, tu me jettes un D20 et il faut que tu fasses en dessous de ton seuil d'étourdissement moins 5. Je vois que ton seuil d'étourdissement est à 8. Donc, il faut que tu passes en dessous de 3. Bah, il va encore partir dans les pommes. Tu n'as pas marre de tomber dans le coma tous les jours? Voilà. Du coup, tu vas réussir à communiquer avec, avec cette créature. Par contre, une fois que cette communication est terminée, effectivement, tu vas cracher du sang et tomber dans les pommes. Bah voilà, mais au moins les copains vont mieux, c'est l'essentiel. Alors que demandes-tu à la créature? Parce que là, tu as juste réussi à ouvrir. Là, tu l'as appelé. Mais tu ne parles pas le Léviathan. Oui. Oui, mais ce que je fais ressentir, c'est bobo la tête, besoin d'aide. Tu demandes du coup énormément d'aide à la créature. Tu essayes de. Bah, on voit lui des images mentales des gens au sol en train de baver quoi. Exactement, de parce que le nom du sort, si je me souviens bien, c'est un truc genre restructuration ou un truc comme ça. Tu as restructuration moléculaire, oui, effectivement. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Guérison moléculaire ou guérison psychique, je pense que ça doit plus être guérison psychique. Ouais, ça doit plutôt être guérison psychique. C'est pour ça, bobo la tête, ça marche bien. Mal tête groupe. Alors. Il va juste envoyer un space d'olive. Effectivement, une grande vague bleue émane du Léviathan. L'équipage se relève instantanément. Zegana, Helm et Edouard, vous allez beaucoup mieux, mais à quel... Enfin, tout l'équipage va beaucoup mieux. Marin compris, malheureusement. Pourquoi dommage. Ah, ouais. Tu lui as pas dit sauf lui. Bah oui, mais je peux pas dire ça, t'imagines? Si, tu peux, hein. Tu pouvais tenter, mais effectivement, c'est compliqué en termes d'idées. Sauf lui, puis t'envoies une idée, une image mentale de lui, quoi. C'est moi, t'imagines, sauf lui, c'est qui lui? Et Edouard se fait pas soigner, voilà. Oui, bah ça change pas d'habitude, hein. La guérison psychique, ou plutôt les pouvoirs Polaris, ne soigne pas, à proprement dire. C'est-à-dire que ça ne remet pas votre état mental à son état précédent. Ça augmente votre état mental actuel. De manière permanente. Je regarde tellement si Edouard il fait un 1. Du coup, grande question. Vous allez tous me jeter un D10. Okay. Si vous faites en dessous de 3, c'est un minimum de 3. Si vous faites au-dessus de 8, c'est un maximum de 8. Bon, et c'est le nombre de points que vous gagnez. Ok. Ah, mais moi je gagne 8. Donc toi tu gagnes 8. Okay. Je relance. Tu as des points de chance. Bordel. Oui, il m'en reste 6. Elle met en garde son ban. En fait, c'était mieux qu'avant. On dab. Nous, on dab. Bah, allez, 5. Allez, ça suffira. Si, je... limite en volonté. Le duc local duc, le duc qui va être à 19, quoi. Ouais, c'est ça. Bah non, j'étais à 15. 15 plus limite chez moi, ça fait plus. Alors attends, laisse-moi vérifier. Tu ne peux pas dépasser les 20 avec ce truc. Ah, bon, j'arrive à... Bon, bah, je gagne plus en volonté, en fait, ça va mieux. Je suis plus, j'ai plus de volonté qu'avant. Quoi, t'as combien, là? Je crois que Zegana, par contre, elle sume. Bah, je passe à 12, en fait. Mais non, parce que là, tu regagnes par rapport à la stat qu'on a actuellement. C'est-à-dire que là, on était à... On avait perdu combien, déjà? Et toi, t'es à 0, donc tu passes à 3. Ça dépend. Voilà. Moi j'étais à 7, donc je passe à 15. Et là, Zegania, c'est la fusion dont j'ai chance et qu'elle il me restait 7. Justement. Moi j'étais à 8, j'ai utilisé un point de chance, je passe à 16. Il me restait 7, moi. Tu étais à 7, t'as pris moins 9, t'es mort. T'étais à 7, t'as pris moins 9, donc t'étais mort. Donc t'étais à moins 2, mais le minimum étant 0, donc là tu as gagné. Ouais, je suis à 5. Donc là t'es à 5, c'est peu, mais c'est jouable. Ouais, d'accord. Moi, ça me fait regagner à peu près la volonté que j'avais avant, je crois. 5, par contre, c'est peu. Hein. C'est ouais. J'avais avant, mais d'un point. T'avais 15 avant, du coup, c'est ça? Ouais. Bah, j'ai perdu 7, j'ai regagné 8, donc... Ouais, bah pareil, j'ai perdu 7, j'ai regagné 8.
Moi, je suis mieux qu'avant. Quand la mer. J'ai envie de crever. T'es vivant. J'en ai marre de vos conneries. Attends, je me permets juste. Moi, je suis dans le coma. Ah non, du coup, non. J'allais dire, j'ai fait le jet de marin, mais en fait, non, finalement, j'ai pas envie. Il a fait un bon jet de... Non, tout le monde s'en sort plus ou moins bien. L'ensemble de l'équipage se réveille avec un grand mal de tête. Certains ont l'air un peu plus terrifiés qu'avant, d'autres s'ébrouent un peu, tels des chevaux, et récupèrent un peu leur contenance. Pour ta part, Edouard, tu t'es senti partir et revenir. Du coup, certes, tu te sens un peu mal à l'aise et un peu moins courageux qu'avant, mais d'un autre côté, tu dis que vu la situation, c'est pas très très surprenant. Ouais, voilà, vu le bordel général, on va dire que ça va, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pour votre coup, Rancard, Gana et Helm, pour vous, ça va très bien. Et alors pour toi, Rancard, ça va même très très bien. Alors oui et non, je te rappelle que je suis dans le coma, moi. Hein. Oui, mais je veux dire, avant de tomber dans le coma, tu as senti que, voilà, il avait accédé à ta demande. Ouais. Tu es tombé dans le coma, l'esprit léger. Super. Ça, c'est beau. Antoine Claire reprend immédiatement la situation en main. Il ordonne à Vassiliev de faire une vérification complète de l'équipage, histoire qu'on arrête un peu les conneries et qu'on empêche à quiconque de sortir de ce vaisseau, parce que c'est plus possible. Beaucoup trop le bordel. Sans déconner. L'intégralité des sorties du vaisseau viennent d'être loquées et les clés viennent d'être données à Antoine. Donc elle est revenue, hein, on est d'accord, la scientifique. Oui, elle est revenue. Ouais. Ok. L'intégralité des clés, c'est-à-dire que là, il n'est plus possible, mécaniquement parlant, de sortir du sous-marin, viennent d'être données à Antoine. Clairement, il est en mode, bon, on va se poser quelques heures. On va vérifier l'état du sous-marin, on va vérifier ce que fait le Léviathan, parce que s'il nous attaque, on est mort. Et on va vérifier ce qu'on peut faire un ou non pendant 2 heures. Et on va commencer à réfléchir à un plan pour descendre, parce que on ne peut pas descendre avec le vaisseau complet dans le passage sous-marin qui se trouve derrière l'œuf. Donc on sera obligé de prendre... Parce que ça ne passe pas. Enfin, okay. Théoriquement, ça pourrait passer. Le tunnel et les analyses radar montrent que théoriquement ça pourrait passer. Sauf que si on passe en force, on est obligé de toucher l'œuf. Et c'est pas on le touche un peu, c'est on rentre dedans avec le sous-marin. Oui. Ouais, donc derrière, maman. Et Antoine, il est pas du tout chaud pour jouer avec ce qui vient de se passer. Là, il est. Sans c'est déconner. Un monde catégorique. Je te demande pourquoi. Moi je vais demander à me faire examiner quand même par l'équipe médicale parce que je me suis quand même senti partir. Effectivement, tu vas te regarder, tu vas dire, mais oui, ça va, c'est rien. Tu vas te faire effectivement examiner par l'équipe médicale, mais à peu près comme tout le monde, c'est ce qui vient ouais, ouais, passer, je, voilà, là, durant les prochaines heures. Tout le monde va avoir droit à un petit check-up médical. Est-ce que je peux te prendre à part 2 secondes, Tom? Bien sûr. Alors, quelle est ta question? Est-ce que j'ai dans ma baie médicale de quoi rendre marin brain dead? Complètement. Par contre, tu n'as rien dans ta baie médicale qui te permette de le faire de manière suffisamment discrète pour qu'avec une petite analyse, on se rende pas compte qu'il ait des corps étrangers directement en lui. Mm-hmm. Est-ce que j'ai quelque chose qui me permettrait de faire en sorte que les corps étrangers puissent être pensés comme étant une source extérieure et pas ma faute? Tu peux mettre le doute. Par exemple, tu pourrais lui remplir de différentes substances qui lui crameraient le cerveau. Okay. Parce que sinon, le truc auquel je pensais, c'est que... Et faire croire que c'est une piqûre d'une drogue quelconque. Mais tu pourrais que faire un doute. Tu pourrais pas échapper tout soupçon de ta part. Alors, ce à quoi je pensais, c'était que... il me semblait que tu m'avais dit que les... Comment dire? Que les tortues, que les œufs de tortue que j'avais avaient des coquilles qui étaient potentiellement toxiques. Ah oui, c'est complètement toxique, oui. Bah du coup, est-ce que je peux lui en faire ingérer en mode genre j'en bois en poudre, je les mets dans ce médicament, je lui dis voilà, mangez ça. Et potentiellement derrière, comme il n'y a pas grand monde qui sait que j'ai ces tortues de toute manière. C'est-à-dire que beaucoup de personnes vont se poser la question de comment ce mec a réussi à manger des œufs de tortue en poudre. Donc il va y avoir une enquête. Oui. Mais tu ne seras pas le premier suspect parce qu'effectivement, personne ne sait. Pas grand monde. Et puis c'est moi qui ferai l'autopsie de toute façon.
ça peut être une tentative, mais... Je vais le tenter, du coup. Parce que, tu sais que c'est un peu risqué, mais pourquoi pas. Il me semble quand même très très dangereux. Vraiment. Et pas juste pour moi, mais j'ai suffisamment de suspicions sur lui pour, éventuellement, si j'ai besoin de me justifier, genre en privé auprès de quelqu'un comme Douyou ou Antoine Clair, je me dis que j'ai des arguments suffisamment possibles pour dire qu'il fallait s'en débarrasser parce que sinon, on mourrait tous. Quoi. Par contre, si tu le fais de cette manière-là, les nœuds sont toxiques, mais ils ne sont pas toxiques immédiatement. Ils mettent quelques heures avant d'agir. Je ne suis pas pressé. Enfin, je n'ai pas, voilà. pas envie de le tuer tout de suite, justement. Si ça met du temps à agir, c'est encore mieux. Très bien. Nous allons donc retourner avec les autres. Ok. Mon prochain perso est, comment dire... Edouard était bourrin, mais lui, il le sera encore plus. Nous allons... Ouais. Vous allez donc tous faire un tour au check-up médical. Ok. Rancard, toi, tu te réveilles au bout de 6 heures d'un long sommeil. Tu es épuisé mais heureux en voyant que l'équipage a récupéré son efficacité. Mm-hmm. Il n'est plus composé de légumes. C'est mieux. Cependant, tu sens que cette communication, même si tu t'en es ressorti mentalement grandi, ça a eu des impacts sur toi. Tu sais pas à quel point, tu sais pas comment, mais t'es à peu près sûr que t'as dû sacrifier quelque chose, là. Ouais. D'habitude. Ouais, ce qui est logique. Hein. Okay. Vous allez globalement tous en bonne santé. Il y a deux particularités. Premièrement, Zegana, les médecins t'ont fait remarquer que il y avait un corps étranger dans ton sang, qui est complètement inconnu du domaine médical, et qui notamment il a touché directement tes sens. On ne sait pas à quel point, mais tu as peut-être vu, entendu ou senti des choses qui n'existaient pas ou déformé des choses qui existaient. Du coup, j'étais bien un rapport vite fait et puis je vais envoyer, enfin, rendant ça responsable de ce que j'ai vu et de mes actions pour avoir amené le gamin à bord et puis je vais envoyer ce rapport à, genre, par email à Antoine et puis je vais mettre en copie cachée tous mes compagnons en mode arrêtez de me faire chier, j'étais pas dans mon bien esprit quoi. C'était pas mon faux. Très bien. Tu fais donc tout ceci. Les médecins, d'ailleurs, tu as pu débattre un petit peu avec les médecins qui hésitent à te mettre en quarantaine car ça n'a pas l'air contagieux et tu es quand même l'un des éléments particulièrement importants d'expédition. Mais d'un autre côté, ils n'ont aucune idée de ce que c'est et du coup, ils sont un peu en mode gros doute. Est-ce qu'on a des infrastructures de communication interne, genre email et autres, oui. qui sont suffisamment solides pour que je puisse commander l'équipe médicale si besoin depuis une zone de quarantaine? Oui. Bah du coup, je vais soutenir leur proposition et me mettre en quarantaine. Très bien. Tu te mets donc en quarantaine. Tu te retrouves en quarantaine, pas dans la même cellule, mais dans une cellule non loin de l'enfant que tu as ramené, qui lui aussi se trouve en quarantaine. Il est très bien traité, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais l'équipe médicale n'a aucune idée de qui c'est. Les analyses médicales ont indiqué que c'est un enfant un peu en sous-nutrition et c'est à peu près tout. Et étant donné que vous êtes trop loin des réseaux gouvernementaux pour réussir à avoir un accès à ça, par contre, on n'a aucune idée de où il vient et de qui c'est. Je vais essayer d'arranger demander que la quarantaine soit mise en sorte de sorte que je puisse communiquer avec le gamin. Autant en profiter pour essayer de discuter un peu avec lui et voir si je peux en apprendre un peu plus sur lui. Et on t'autorise ça, par contre, on te fait remarquer que le gamin n'a pas dit un mot depuis qu'il est sorti du SAS, depuis que les soldats l'ont ramené. Et effectivement, quand tu essaies de communiquer avec lui, il ne dit rien, visiblement, il est en boule dans un coin et il est un peu terré. Bah, oui, je suis en quarantaine pendant plusieurs jours, voire plus, donc je vais essayer d'en profiter, voir si avec le temps, si on lui amène de la nourriture, de machin, enfin, je vais l'observer en fait, comme un cobaye. Si il, de souvenance, si tu veux communiquer avec lui, de toute façon, il parle la même langue que Helm. Ouais, mais c'est une langue que moi je parle pas. Je parle le polarien. Je ne parle pas le polarien. Dang. Mais L'idée, c'est moi forcément d'avoir une conversation prolongée et plus déjà de voir si on peut le ramener à un stade de communication, ne serait-ce que par communication, par langue des signes. Ouais. Yep. Edouard, les médecins ont une bonne et une mauvaise nouvelle.
La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, tu as eu une expérience. Enfin, clairement, t'es passé de l'autre côté. Et t'es revenu. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que tu en as gardé des traces dans ton cerveau et que là, médicalement parlant, on peut rien faire. C'est-à-dire, par quoi ça va se traduire, docteur? Ça va se traduire dans le sens où tu auras probablement des traumatismes jusqu'à la fin de tes jours de ce qui vient de se passer ici. Je les regarde et je leur montre mon bras. C'est... Oui, mais... Oui, je... D'accord. Oui, c'est juste que ces traumatismes-là, c'est des traumatismes physiques. Là, on parle plus de peur, de traumatismes mentaux. Oh, vous voulez dire encore plus? Oh, bah dis donc. Et la... les seules personnes qui peuvent vous aider là-dessus, autant qu'on puisse aider, ça sera les Polariens. Les Polariens ont une maîtrise de la mécanique et de la technologie bionique qui leur permet de reprogrammer en partie des cerveaux. Donc, vous pourriez tenter quelque chose comme ça. Et bah, immédiatement. Les cyborgs, après tout, les cyborgs sont, sont une créature polarienne, sont une création polarienne. Et on sait par exemple que les cyborgs sont immunisés au concept de peur. Oui. Donc, personne, excepté les scientifiques polariens, savent vraiment comment ça marche. Helm peut peut-être avoir ses passe-droits pour avoir quelques informations là-dessus, mais étant donné que c'est pas un scientifique, ça va être limité aussi. Mais d'un autre côté, s'il y a une nation ou un groupe qui pourrait t'aider là-dessus, c'est ou les Polariens, ou les Amazoniens, mais parce que les Amazoniens, personne ne sait vraiment grand-chose sur eux, si ce n'est que c'est des experts médicaux. D'accord. Bah, sur ce, du coup, je me tire immédiatement de la baie médicale, et je vais directement aller voir Helm. Vraiment, les mecs t'expliquent que je vais avoir des séquelles à vie. Attendez, il y a des mecs qui peuvent vous aider. Et littéralement, ils peuvent me lever, c'est pareil. Le problème, c'est que j'ai un truc top secret. Je connais rien en fait. Je pourrais essayer d'avoir des infos. C'est-à-dire que les cyborgs, c'est top secret. C'est top secret et à la fois un peu connu dans le sens où les autres nations savent que ça existe, mais ils savent pas ce que c'est, ils savent pas comment ça marche, ils savent pas comment c'est fait. Ils savent juste qu'il y a des hommes robots qui viennent de Polarien et des fois on en voit débarquer, ils pètent. Enfin. Il y a des légendes comme quoi des fois il y en a qui débarquent à des endroits et tout le monde y repart, mais personne n'en a jamais vu, personne sait comment ça marche. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'à mon avis, si un jour tu veux qu'ils t'aident ou quoi que ce soit, probablement falloir que tu fasses ta demande de nationalité polarienne. Hein. Peut-être falloir changer de nationalité. Falloir changer de nationalité pour avoir une chance. Hein. J'ai pas de pays, de toute façon. Dit... Bah, j'ai envie de te dire, là, il y a peut-être moyen que... Bah, je sais pas, je te demande ton avis pour que tu me files un coup de main, parce que ça commence à faire pas mal, et un état mental en baisse lors d'une expédition de cette importance, autant perdre un membre, bon, je commence à avoir l'habitude, autant que ça commence à taper dans la caboche, ça me... Ouais, mais tu t'en servais pas, donc bon... Oh. Je vais directement voir chez les... Je vais me choper une caisse de whisky le plus frelaté possible, et je vais défoncer ça dans une cale. Et voilà, ouais. Edouard va donc se pinter la gueule pour tenter de régénérer ses points mentaux. Spoiler, ça ne marche pas comme ça. M'en fous. Non, c'est pas pour régénérer mon point mentaux. C'est juste pour aller picher la gueule parce que j'en ai marre. Je me sens que je suis entouré par des enfoirés. Peut-être que Zeganas aussi aurait pourrait faire quelque chose dans un premier temps, hein, mais... L'intégralité... Alors, Dans la... Oui. Zeganas, on t'écoute. Je pense qu'il a craché. Ah, c'est bon. En plein milieu de phrase, en plus, c'est pratique. Ah, non, j'ai vu. C'est mon micro. Je disais du coup, là, quand je vous ai fait faire votre check-up, j'ai donné des médicaments à chacun selon son état, mais un truc que j'ai donné à tout le monde, c'est des antidouleurs, genre Doliprane et autres. Parce que je me doutais que tout le monde allait avoir mal à la tête. Je pense que tu peux nous donner des antidépresseurs aussi. Oui, le truc, c'est que j'en ai pas assez pour donner à tout l'équipage. Toi, t'inquiète pas, la baie médicale a donné... Là, vous êtes tous sous Xanax. Hein, Il y a tout l'équipage qui est à peu près dans un état mental normal. C'est... Ouais. Normalement, tout ce qui est douleur et autres, je vous ai donné ce qu'il fallait pour gérer, et avec des prescriptions selon votre état et selon la gravité de la douleur. Et pour tout ce qui est effectivement les troubles mentaux, bah, c'est plus... Est-ce qu'on a un psychiatre ou un psychologue à bord? Vu la taille d'expédition, ça me semblerait curieux qu'on n'en ait pas. Oui, vous en avez. C'est juste que... Il a bossé 24 heures sur 24. Oui, voilà. C'est juste que lui, d'habitude, il est là pour... allez, 5 personnes qui sont parties en éclaireur et qui ont vu des choses qui les ont marquées. Pas l'intégralité de l'équipage.
Est-ce qu'on a un psychiatre pour le psychiatre, pour que lui aussi puisse aller mieux à force d'écouter tout non. le monde? Non, malheureusement, il n'y a pas plusieurs psychiatres. Il y a un seul psychiatre qui est pour l'instant en train de s'occuper des têtes dirigeantes, c'est-à-dire qui s'est surtout occupé de Douyou, Marine, Vassiliev, Morgan et Antoine, pour vérifier qu'ils aient encore l'intégralité de leur capacité mentale pour pouvoir prendre des décisions. Il y a d'autres gens d'ailleurs dans l'équipage qui vont mieux qu'avant ou pas? Oui, il vous semble que oui, mais bah, vous ne les connaissez pas suffisamment bien pour vérifier s'il y a des grandes différences entre avant et après. Non, mais je veux dire, il n'y a personne qui est toujours un légume. Non. Ok. Non, non. De toute façon, moi, je reste sur mon plan principal qui est de picoler dans les cales. Très bien. Au bout de plusieurs heures, Zegana, malheureusement, tu es en confinement, du coup, tu ne peux pas être présent. Edouard, tu ignores tous les appels qu'on t'envoie et tu te pointes la gueule dans les caves. Du coup, le duc et Helm, vous avez reçu un appel directement du commandement pour aller au niveau du pont et rejoindre Antoine Claire, qui est en train de discuter avec les différents dirigeants de chaque partie de cette expédition, sur la marche à suivre. Ça fait vous avez tous eu le temps de passer une bonne nuit. Mais c'est vraiment dès votre réveil, on vous a appelé. C'est la situation est visiblement un peu urgente. Sans déconner. Oh bon. Helm, tu vas pouvoir me faire un G, s'il te plaît, de perception pure. Perception, est-ce que c'est déjà ça? Une stat de base. Est-ce que c'est une perception à l'oreille ou pas? Ouais, voilà, est-ce qu'il peut faire du son scan? Non, non, mais même sur son scan, j'ai... C'était ça ta question? Non, non, là, c'est... Non, c'est... non, j'ai un bonus quand ça se passe à l'oreille, ça passe. Ah bon? Ça passe. Tout le monde a l'air fatigué. C'est la running joke, de Helm. Son scan, il y a moyen? Je suis un peu surpris, parce que Marin a vraiment une sale gueule. Tout le monde a pas l'air extrêmement sain. Je veux dire, tout le monde là, visiblement, tout le monde a dormi 2 heures, tout le monde est traumatisé par ce qui s'est passé hier. Mais lui, il a les veines aux alentours des yeux qui sont légèrement verdâtres, il a les yeux injectés de sang. Il tousse à peu près toutes les 20 minutes. Et il est déjà allé s'inquiéter un peu, il a discuté un petit peu avec quelques hommes. Ça fait 2 fois qu'il va à l'infirmerie et que l'infirmerie lui dit que bah y a rien et que bah il va très bien, juste il est fatigué. On est d'accord que 2 fois à l'infirmerie, c'est Zegana. À ta connaissance, Zegana, elle l'a juste vu avant de se mettre en confinement, quand elle est allée participer avec les... Moi, j'ai fait les check-up, mais après, j'ai filé ça à des confrères. Et l'intégralité des médicaments que j'ai donnés, genre mes prescriptions, elles sont sur le PC, quoi. Y a pas de... Et tu sais que... Oui, ça, j'entends bien. Et tu sais que les deux dernières prescriptions... Zegana était déjà en confinement à partir de là. Donc, sauf s'il allait spécifiquement voir Zegana en tôle, en confinement. Pour prendre des bons petits médicaments qui sont en fait du bon poison. Franchement. Mais c'est quoi, non, c'est bah, l'habitude. Hein. Elle, mais effectivement, tu te dis que peut-être que Zegana est derrière là, mais que si c'est le cas, elle l'a fait de manière suffisamment discrète pour que les autres médecins ne voient pas ce qui se passe. Certes, mais il vaut mieux pas que je fasse le lien, en fait. Ouais, mais tu fais pas le lien. Estime que Zegana a pour le lien. Si je fais pas le lien, ça me va, parce que si je fais le lien, c'est plus chiant. Mais si je fais pas le lien, écoute, bah je fais pas grand chose, hein, je suis pas médecin. Au pire, je lui dis qu'il a une sale gueule et qu'il faut aller voir le médecin, mais au-delà de ça. Oui, il te le dit, je sais. Et il retousse un peu. Là, je me tiens loin de lui. Je m'en fous en fait. Bah, du coup, le lendemain matin, je suis présent à la réunion aussi, du coup, vu que c'est le lendemain matin. Non. T'es pas venu, toi. Ok. Léviathan qui nous observait s'est un petit peu éloigné. Il s'est mis au-dessus de l'immeuble qui contient ce que nous supposons être son œuf. Nous avons fait une vérification des. Environ plusieurs scans, la présence des créatures marines dans les environs est minime, il n'y a quasiment rien excepté ce Léviathan, et nous avons une bonne et une mauvaise nouvelle. Selon nos explorations, selon nos scans et autres, il serait peut-être avec une manœuvre un peu précise, voire extrêmement précise, et quelques explosifs bien placés, possible d'élargir suffisamment l'entrée de cet immeuble pour pouvoir passer directement avec le vaisseau sans toucher l'œuf de cette créature.
Ouais, enfin, dans tous les cas, même si on peut faire ça. Oui. Admettons qu'on y arrive. Je suis pas sûr que le Léviathan il nous laisse faire tranquillement. Hein. Je suis pas sûr non plus. Les deux. Alors, autres... je pense qu'il nous laisserait. Les deux autres mauvaises nouvelles sont que nos analyses indiquent la présence d'une perturbation polarienne au-dessus de nous. Nous ne pouvons pas remonter pour l'instant, ni même spécialement nous éloigner de cette zone. Et nous ne savons pas combien de temps ça va durer. Nous ne pouvons donc pas compter sur quelconque renfort ou un demi-tour pour pouvoir se ravitailler en matériel. Et la dernière mauvaise nouvelle, c'est que nos appareils de transport ne sont pas suffisants pour pouvoir transporter l'intégralité de l'équipage dans cette entrée si nous ne devions pas prendre si nous ne devions pas prendre tout le vaisseau. Nous pourrions bien nous déplacer avec les capsules de secours, mais les capsules de secours n'ont pas assez de carburant pour pouvoir continuer cette expédition. Je vous ai donc tous réunis ici pour prendre une décision sur la marche à suivre. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de prendre un peu de temps pour chercher sur une autre entrée ? Nous sommes déjà en train de faire ceci, l'intégralité de nos drones sont sortis, et pour l'instant la réponse est négative, mais... Nous espérons encore en trouver une autre. Parce que clairement, si c'est un moyen ou un autre de s'assurer que le Léviathan nous laisse passer, entre guillemets, ça... Madame Douyou nous a fait remarquer que l'œuf n'est pas scellé au sol et avec une manipulation particulièrement précise de plusieurs drones, il serait possible de le déplacer. Je suis contre cette idée personnellement, mais ça pourrait être une solution. Oui, au fond, on a déjà vu ce que Léviathan a pu faire sans avoir même besoin de nous atteindre, sans qu'on l'énerve spécifiquement. Mais nous avons aussi vu que le duc a été plus ou moins capable de communiquer avec lui. S'il arrivait à lui exprimer que nos intentions sont tout à fait pacifiques et que nous ne voulons que déplacer cet œuf. Ouais. Je ne peux malheureusement que communiquer des idées vagues. Je ne pense pas que la créature parle notre langue et inversement. Il faut que les choses restent simples. Le fait de déplacer son œuf, j'ai peur qu'elle prenne peur. C'est envisageable, hein, bien entendu. Je pense justement que j'aurais plus de facilité à lui dire que nous cherchons à entrer derrière et donc qu'elle nous surveille. Déplacer me paraît en effet plus complexe quand je vois que rien que le fait que quelques requins qui s'approchent aient pu créer en elle un tel mouvement d'émotion, d'envoyer des drones pour le faire bouger me paraît assez incroyable. Après, on peut essayer. On a des navires d'exploration qui sont entièrement désarmés et où on pourrait peut-être, si on les envoie avec du coup à bord l'équipe d'exploration de la cache, pendant que, si tu peux le faire, tu communiques avec le Léviathan juste de l'idée basique de... comment dire, sans danger, qu'on puisse passer à côté et après avoir accès. Disons qu'on peut toujours essayer. En fait, le truc, c'est que vous pouvez, là, vous l'avez déjà fait, vous pouvez envoyer quelques vaisseaux continuant dans la cache qu'il y a derrière. Mais le problème, c'est que c'est pas directement la cache, c'est un tunnel, un boyau qui s'enfonce bien plus profondément. Et vous pouvez y aller avec un équipage très restreint, c'est une des possibilités, c'est on laisse le grand vaisseau ici. Et on part avec un équipage bien plus restreint dans des plus petits vaisseaux, continuer l'exploration. Mais si on fait ça, on se prive de beaucoup de matériel et de beaucoup d'hommes qu'on va être obligé de rester ici parce qu'on n'a pas les moyens de transporter autrement qu'avec ça. Maintenant qu'on sait où est l'entrée, on pourrait envoyer des drones, juste vérifier à peu près, faire un plan des, mettons, 200 premiers mètres, on va dire, du tunnel. Et trouver un point à l'aplomb du tunnel plus loin de l'œuf où on puisse faire un forage et pénétrer par là. C'est une possibilité, ça a été étudié. Le problème de ceci, c'est que le forage serait tellement gros pour pouvoir faire passer le vaisseau qu'il y a des gros doutes sur le fait. Ça prendra du temps, mais à la limite, ça c'est pas vraiment le pire problème. C'est qu'on est sur une zone où, comme vous pouvez le constater, c'est une ville en ruine de l'ancien monde. Le fait qu'elle tienne debout soit un miracle. Si on fait un forage aussi gros et aussi large pour faire passer un vaisseau, ils ont très peur que ça déclenche un effondrement de plusieurs bâtiments. Et si par pas de bol, il y a un effondrement du bâtiment sur lequel au-dessus il y a de l'œuf,
ça pourrait, ça pourrait nous retomber dessus. Si on a le temps et les moyens, quitte à ce que ça prenne, mettons une semaine, on peut faire une étude, on va dire, géographique et architecturale pour voir là où on peut forer sans tout casser. Ça prendrait beaucoup de temps et c'est assez peu probable que ça réussisse, sans en tout cas provoquer suffisamment de vibrations pour qu'il n'y ait pas un risque que des trucs s'effondrent. Cependant, c'est une possibilité. Possibilité qui prendrait beaucoup de temps, mais c'est une possibilité. C'est-à-dire que vous êtes coincé ici puisque vous ne pouvez pas partir là actuellement. Donc, j'aurais tendance à dire que je serais plus d'avis que nous y allions en petit comité. Je ne suis pas convaincu et je n'ai pas confiance en suffisamment de gens ici, surtout au vu de ce qui se passe, pour qu'on y aille tous. Mais bon. Ce qui réglerait en un sens le problème. Je ne sais pas ce que mes compagnons, est-ce que vous pensez, Martin. Mais bon. Martin ? Que savons-nous des dangers, dangers éventuels dans la cage? Je m'appelle Antoine. J'ai encore quelques séquelles. Je suis désolé. Que savons-nous des dangers éventuels dans la cage? Et par là, j'entends les rapports qu'on a sur d'autres cages généticiennes qui ont pu être étudiées par le passé. À quel genre de danger on peut être confronté et du coup, est-ce qu'on peut se préparer et décider ce qu'on va amener d'un bon effectif pour une petite expédition ou est-ce que c'est vraiment on y va à l'aveugle? Ces informations sont des informations secrètes, mais de ce que je peux vous dire, toutes les caches qui ont déjà été explorées par Equinox sont des caches qui avaient chacune des comportements et des défenses uniques. Certaines n'en avaient pas, certaines en avaient qui pouvaient transformer la chair en métal, d'autres qui nous envoyaient toutes les créatures marines dessus. Elles ont trop de particularités et trop de différences entre chacune d'entre elles pour que nous puissions prévoir un plan unique pour le bloquer. Par contre, nous avons pris suffisamment de matériel pour, nous l'espérons, parer à toute éventualité, mais nous n'avons pu faire que notre mieux. Nous ne savons toujours pas ce que nous avons trouvé là-bas. Au pire des cas, on va tous crever, ça change pas d'habitude. Dit Edouard en arrivant à 2 grammes. Avec littéralement la bouteille de whisky à la main. C'est ça. Tout le monde t'ignore joyeusement, Edouard. M'en fous, je m'assois à la table. Et je gratte une carafe de flotte parce que je commence à avoir mal au crâne. Si tu veux. Nous pourrions tenter effectivement d'envoyer juste 2 ou 3 sous-marins qui auraient la résistance suffisante pour descendre dans les eaux d'une telle pression, mais dans les eaux d'une telle profondeur. Mais cela limiterait grandement le nombre d'hommes que nous pourrions envoyer, et nous ne savons pas combien de temps va encore durer ce boyau. Nous n'avons pas réussi à envoyer d'hommes suffisamment loin pour l'instant. Ni de drones, du coup. Ni de drones. Les drones perdent les drones fonctionnent assez mal dans les environs. Nous perdons le contact quand ils s'éloignent trop de l'émetteur. Le problème, c'est que s'il y a quoi que ce soit qui, on va dire, puisse abîmer un drone ou abîmer quelque chose de plus gros, si on y va avec le gros vaisseau et qu'il y a un problème, rip, quoi. L'avantage, il est avec un petit vaisseau derrière un petit comité, comme le dit le Duc, c'est qu'on peut plus facilement mourir, s'adapter, si rentrer dans les petits trucs. Aussi, oui, bon. S'exposer à plus de risques si jamais nous tombons sur une créature. Oui, mais les créatures du coin, a priori, on n'est pas vraiment de taille à les affronter. Même avec ce vaisseau-là. Les Léviathans ne courent pas les eaux, ça me surprendrait. Les tombeaux généticiens non plus. Si ça court pas, hein, Léviathan. Taisez-vous, pardon. Taisez-vous! Non, à part recontacter la bestiole pour lui demander si elle-même peut, bouger l'œuf, en l'absolu. Nous n'avions pas prévu ceci, mais pensez-vous en être capable, monsieur Rancart?
Je bois mon verre de flotte, je fais bon, dans le pire des cas, on finit tous à baver sur le pont, je veux dire, ça changera pas d'habitude. Je sais pas, du coup, qu'est-ce que t'en... Enfin, Tom, à ton avis, est-ce que c'est le genre de choses que je pense pouvoir transmettre ou pas, quoi. C'est une idée suffisamment simple pour que tu puisses la communiquer. Cependant, étant donné que tu ne connais pas assez bien ces créatures, c'est une des raisons pour laquelle tu voulais voir le culte des Léviathans, c'est pour savoir un peu comment fonctionnent ces créatures. T'as aucune idée, c'est ce que... En fait, tu sais que tu aurais la capacité, si tout se passe bien, de lui communiquer cette idée-là. Comment elle le prendra, ou comment elle réagirait à cette demande, t'en sais rien. Impossible à voir. Ouais, bien sûr. Bah, ça reste toujours plus simple à mettre en place que de commencer à estimer les capacités de forage ou de placer des explosifs pour faire en sorte qu'on puisse passer à côté, quoi. Je pense que dans tous les cas, il faut qu'on ait une discussion collégiale. Marin, Antoine et Vassiliev sont pour placer quelques explosifs de manière à pouvoir faire passer l'entièreté du vaisseau. Antoine considère que c'est la manière la plus sûre, c'est de rester en groupe et de rester avec le matériel le plus commun qu'on a et la plus grande quantité de matériel qu'on a, de manière à pouvoir parer à toute éventualité. Selon leurs calculs, ça ne devrait pas faire s'effondrer l'immeuble. Douyu et Morgan sont pour leur part bien plus intéressés par l'idée d'envoyer plus une petite équipe. Cependant, même elles reconnaissent que si on fait ça, on est obligé de faire toute l'expédition avec juste cette petite équipe-là. Ouais. Et que on pourrait se retrouver en manque de tel ou tel matériel. Oh, ça veut dire que les scientifiques pourraient commencer à se dire qu'on manquerait de matériel militaire si jamais on se fait attaquer. Oh, dis donc. Ils sont scientifiques, ils sont pas cons. Bah, mais j'ai pas dit le contraire. Mais disons qu'après avoir milité des heures en expliquant que non, mais non, nous on veut pas plus d'armes. Et ils sont pas forcément en mode matériel militaire. Ils sont, si jamais, par exemple, vous avez besoin d'énormément d'un gros matériel de forage, ben vous l'avez pas, quoi. Ou si jamais, effectivement, vous avez besoin d'un véhicule de transport de véhicule de transport ou d'une baie tout simplement médicale de blessés, ben la baie médicale de blessés, elle sera fatalement de plus petite taille. Ah oui, mais de toute façon, même si... Alors, déjà, effectivement, lancer une équipe réduite et c'est s'exposer à un tas assez incommensurable d'emmerdes. Et de l'autre côté, si jamais ils veulent, de toute façon... Déjà, même dans tous les cas, si on passe à côté de l'œuf ou si on place des charges pour faire s'effondrer une partie de l'immeuble pour accéder à la porte, il faut dans tous les cas prendre contact avec la bestiole. Parce que tu fais pas passer des mecs à côté de son œuf sans prévenir, sans conséquence. Et pareil, tu peux pas péter un morceau de l'immeuble sans prévenir, sans conséquence. C'est une des raisons pour laquelle Douyu et Morgan sont plutôt pour envoyer une petite équipe. C'est que les sous-marins qui lui ont stressé, les requins qui l'ont stressé, cette créature, sont des requins d'une taille particulièrement grande. Mais au moment où la créature était là, Douyu était toujours à côté de l'œuf et la créature n'a pas réagi à sa présence. Du coup, pour Douyu, elle pense que la créature ne réagit pas à la présence de trop petites créatures. Donc peut-être qu'en petit sous-marin ou en petite équipe, on ne se ferait pas remarquer. Je pense que c'est pas qu'on ne se ferait pas remarquer, c'est que la créature ne nous considère pas comme une menace, mais le résultat elle-même. C'est en effet, je pense aussi qu'on pourrait. Mais... Après, je pense que le fait de prendre du bon matériel et d'avoir tout le matos, c'est une vraie bonne raison, c'est sûr. Ce qui m'embête, c'est qu'il y a le côté... Si on vient avec tout le monde, on est sûr d'aller devenir potentiellement avec soit un traître, soit un mec qui a changé de visage, soit... Bref. Et si on vient avec une petite équipe, il y a quand même moyen que le mec qui veut absolument venir vienne aussi. Donc... C'est ça. À la limite, autant venir avec tout le monde. Après, j'ai envie de te dire que de toute façon, dans l'absolu, la petite équipe, il y a moyen que si jamais on rencontre un truc un peu trop emmerdant, demi-tour et on repart, tu vois. Le demi-tour reste possible théoriquement. Le demi-tour reste possible théoriquement, mais là pour le coup c'est Antoine qui fait remarquer que le demi-tour restera probablement possible jusqu'à un certain point, dans le sens où évidemment dans le meilleur des mondes le demi-tour est possible, mais lui il préfère imaginer qu'à un moment ou à un autre on puisse plus faire le demi-tour. Mais voilà, c'est pour ça. Et pour ça il préférerait être dans la situation où il a absolument tout le matos nécessaire pour pouvoir forer une putain de planète au cas où, parce que là vous avez vraiment beaucoup de matériel. Plutôt que se retrouver avec juste un petit sous-marin et d'être en mode « bon, ben, sortez les pioches, les mecs, on est dans la merde ». Et puis nous, le point positif, en plus, si on vient avec tout le vaisseau, c'est qu'il y a également le nôtre, le petit, dans la cale. Oui, parce que pour le coup, le vôtre, il peut pas... On peut pas le sortir, il est trop... Oui, c'est ça le truc, c'est que ou vous venez avec tout le vaisseau, ou vous abandonnez votre vaisseau-là, puisque lui, il est pas assez résistant à la pression pour pouvoir sortir de cette cale.
Mais justement, tu vois, si jamais il y a quoi que ce soit et qu'on a besoin de se mettre en quarantaine ou de se... Voilà, on aurait notre vaisseau pas loin. Bah, vous auriez une planque à l'intérieur du vaisseau, oui. Une planque à l'intérieur du grand vaisseau. C'est ça. Mais c'est mon côté ouais. Parano. C'est la force de vous côtoyer. Non, mais je suis assez d'accord, du coup, de moi aussi pour le. Enfin, les deux côtés sont pratiques. Après, l'idéal serait de pouvoir déplacer l'œuf pour passer, en fait, avec le gros vaisseau, quoi. Ouais. Bah oui. Je peux essayer de demander. De faire passer le message à la créature en disant qu'on veut déplacer son œuf. Et si ça se trouve, et dire bah oui, super, j'ai pondu là parce que j'en pouvais plus. Comment on va passer Il fallait que je ponde, j'en pouvais plus. Dans l'absolu, je jette quand même, au moment où il dit ça, je jette un œil quand même au docteur en disant il y aurait moyen de se protéger d'une nouvelle psychique comme ça. Mais c'était pas lui, c'était Léviathan, ça. Ouais, oui. Vous en savez rien. Et je vous ai non, mais le contre-coup, je veux dire. Le contre-coup, qu'on s'est fait, que ça vienne de toi. Le docteur te dira, non. Malheureusement, l'effet Polaris dépasse nos connaissances actuelles de la science. La seule chose qu'on pourrait prévoir, à la limite, ça serait une pilule qui vous ferait tomber dans les vapes, de manière à ce que vous sentiez pas la douleur de l'émotion, mais... Mais tu te réveillerais quand même en tant que. Vous j'en faites pas, j'ai ce qu'il faut, puis je me resserre un verre du coup, parce que là, tu sais, je propose autour, vous la verre. Bah, elle te regarde avec un regard un peu dépité en mode, oui, allez. Je te dis, va boire ailleurs. Enfin, la place ici n'est pas. Ouais, mais jusqu'à ce que j'arrive, personne n'avait envisagé l'idée de demander poliment à la créature de bouger son œil, je vous rappelle. Non, mais c'est vrai. Et en cela, tu as. Tu mais as mérité imaginer... de pas te prendre une balle pour être ivre à une table des capitaines. J'en ai rien. Mais le truc, c'est qu'on peut imaginer que la créature l'aurait fait, en fait. Si Ah non, parce qu'elle connaît pas nos intentions par rapport à ça. Elle nous a vu rôder vaguement autour. Les requins sont arrivés, parce que c'est aussi une question que je me suis posée, pourquoi est-ce qu'elle ne déroule pas les requins après tout? Parce que c'est une créature qui en a les compétences, les capacités. Donc bon, il y a des choses de toute façon dans ces créatures qui nous échappent, qu'on ne comprend pas, et une subtilité justement qui est étonnante, justement dans sa maîtrise de l'effet Polaris, mais aussi du respect des autres créatures vivantes qui vivent dans la mer. Bah, je donc, pense, sur ton personnel, que si elle n'a pas pu s'attaquer ou défendre son œuf face au... C'est la question que vous posez, c'est vraiment pourquoi le Léviathan n'a-t-il pas attaqué lui-même les... Mais, oui. ma théorie, c'est qu'étant donné qu'il utilise l'effet Polaris de manière instinctive et non contrôlée, c'est-à-dire qu'une attaque ou une défense aurait affecté toute la zone. Et donc, du coup, elle a pris l'œuf. Donc, la créature n'a pas pu agir elle-même parce que ils étaient à la fois trop petits et dans le bâtiment pas loin à côté, etc. Et n'avaient pas la possibilité d'utiliser le polarisme parce qu'il y avait trop de danger. La créature était consciente qu'il y avait trop de danger pour l'œuf. Après, si tu commences à. Je te dirais que les Léviathans ont aussi simplement la capacité de manger des choses. Je pense que le Léviathan est tout à fait en capacité de dérouiller à peu près tout ce qui traîne dans la mer. Oui, donc, et à ta connaissance, Rankart, ce que tu sais sur les Léviathans, ils ont une maîtrise très précise de l'univers l'effet Polaris. Donc, la force Polaris. Ça te semblerait étrange qu'effectivement, ils soient pas capables de le faire de manière suffisamment précise pour pouvoir toucher juste ces créatures et pas son œuf. Ouais. Zegala, pour le coup, tu es au courant de tout ceci, puisque je considère que... Oui, on est en direct. Je suis en Teams, du coup, je parle moins souvent. On t'a mis sur Zoom, t'es KT. C'est ça. Pardon, pourquoi t'es figé, Zegala? C'est ça. Zegala, t'es mute. Non, j'ai des bugs de connexion, merde. Désolé. Zegala, t'es mute, on t'entend pas depuis 2 heures. C'est ça. On connaît tous ça. Du coup, que faites-vous? C'est-à-dire que là, beaucoup de personnes regardent dans ta direction, mon cher Duc, parce que, si jamais t'arrives pas à communiquer avec si jamais t'arrives pas à communiquer avec cette créature pour X ou Y raison, le problème sera, on envoie une petite équipe. Ouais. Si jamais t'arrives à communiquer, à partir de là, on peut voir pour où qu'il déplace. Adapté. Ou qu'il déplace lui-même son œuf, ou qu'on déplace son œuf, ou qu'on fasse péter les trucs de manière à rouler son œuf si vraiment il veut pas qu'on le bouge. Mais je suis parti dans le sens.
que le duc essaye, et que s'il n'y arrive pas, on fera autrement, ouais. Mais... Ça paraît de la solution la plus sensée. Ouais. En effet, je pense que c'est, si ce n'est le plus sensé, parce que quand tu te dis, c'est un peu insensé hein, de parler à une créature telle que celle-ci, mais on n'a pas vraiment d'autre choix, et ça me paraît en effet être la meilleure solution qui se présente à nous, donc... Autant que faire se peut. On va essayer. Ben, fais-moi un jet de maîtrise. Alors, de juste. Alors, déjà, quand même, j'en parle avec tout le monde. Quelle est l'idée principale de fait que vous souhaitiez que je lui transmette? Le fait qu'elle bouge son œuf, ou alors que nous souhaitons bouger son œuf et que. Qu'est-ce que vous. C'est, ouais. Je ne suis pas certain d'être en mesure de faire les deux. Je pense que l'idée, c'est de lui dire qu'on veut passer là-bas avec ce gros vaisseau, quoi. Oui. Oui, et de voir comment elle répond, en fait. Ouais. Si elle bouge son œuf elle-même, ou si qu'elle te répond de bouger l'œuf, quoi, toi. Mais je pense que l'idée, c'est de lui faire comprendre qu'on veut passer, quoi. Ok. Et le gros vaisseau, il n'y a aucun moyen de le faire passer sans bouger l'œuf, hein, on est d'accord. Bah, en fait, il y a une manière qui serait faire péter des explosifs de manière à agrandir l'entrée et pouvoir passer juste à côté de l'œuf avec le gros vaisseau. Si on se rate, on pète l'œuf, quoi. Mais si vous ratez, vous pétez. Oh. Et là, ça du marche. Coup, bah, on est mort, hein, littéralement. Faut le dire. Ça passe. Tu ça arrives passe. Donc à communiquer avec cette créature, à lui envoyer l'idée que vous voulez passer avec le gros vaisseau. La créature est assez peu à l'aise, mais tu sens que les courants, enfin plutôt Helm et les quelques membres d'équipage qui ont les yeux rivés sur les instruments, remarquent que les courants ont un peu changé dans les environs. L'œuf est visiblement moins stable qu'avant, il est moins posé au niveau du sol qu'avant. Elle n'a absolument pas la taille nécessaire pour pouvoir s'enfoncer à l'intérieur de l'immeuble pour bouger l'œuf elle-même. Mais tu supposes qu'elle vient de vous aider à le déplacer. Donc peut-être que ça voudrait dire que vous en avez l'autorisation. Eh ben voilà. Je vous transmets donc cette constatation. Mais dans les faits, Duc, t'en sais rien. C'est-à-dire que tu lui as dit « est-ce qu'on peut passer ?» et la réponse, c'est « les courants ont changé ». Oui. Oui, mais voilà, derrière la... Je leur transmets, encore une fois, la constatation que je fais, et nous avisons, je pense que la créature a compris que nous n'étions pas non plus des ennemis ou des threats. Donc, dans tous les cas, elle nous ferait comprendre par un moyen ou un autre si jamais on devait faire quelque chose qui ne lui plairait pas. Voilà, ouais, voilà, il suffit de demander poliment. Douyu demande l'autorisation de participer, ou plutôt... si elle n'en a pas le droit d'envoyer des scientifiques déplacer l'œuf plutôt que des militaires. L'ambiance s'est relativement calmée depuis cette épreuve. Les gens ont un peu moins tendance à s'envoyer des fions à la gueule. Bah tu m'étonnes. Non pas qu'elle ait pas confiance dans les militaires, mais qu'elle a plus confiance dans les scientifiques et dans les médecins et dans les membres d'équipage un peu plus scientifiques pour faire une manœuvre aussi délicate que dans des militaires. J'ai envie de te dire que même si t'es militaire, ça te semble un peu plus logique d'envoyer des scientifiques pour bouger un truc biologique, quoi. Certes, mais c'est pas une caisse de cargo, quoi. En s'assurant qu'ils prennent pas le risque de prélever quoi que ce soit, quoi. Oui, on a vu sa cupidité, entre guillemets, de sa soif de connaissance, clairement, il y a quelques heures. Mm-hmm. L'idée, c'est que si quelqu'un les bouge, c'est pas des gens qui vont vouloir être tentés par « Tiens, et qu'est-ce que ça fait si je fais ça ?» ou « Tiens, et si on prélevait un morceau ?» L'idée, alors, c'est uniquement de pousser l'œuf. Ou alors t'envoies des scientifiques pour bouger l'œuf et t'y adjoins une escorte militaire sous prétexte de au cas où on sait jamais s'il y a une bestiole qui sort, avec comme mission réelle de surveiller à ce qu'il fasse pas trop de conneries, quoi. Oui. Bah qu'il fasse pas de conneries du tout, en fait, hein, aucun prélèvement. Oui. C'est ça. Voilà. Et je vous rappelle que c'est le mec bourré qui donne les idées, il va falloir l'arrêter par contre là. Bah, non mais c'est bien, tu nous fais douter quand on dit que tu utilises pas ton cerveau, donc c'est bien. Mais voilà, c'est un peu la technique la technique là, quoi. Plus t'es bourré. La technique de l'homme bourré, ouais. En fait, je maîtrise la technique de l'homme ivre. Du coup, je pense que les gens sur place doivent me respecter un peu plus parce que je suis là à 3 grammes à leur dire des trucs tout à fait logiques alors que tout le monde est en mode ouais, mais si, on a des problèmes et des machins. Pourquoi on le demande pour ton intelligence est égal à ton taux de base plus ton taux d'alcoolémie. Allez. Du coup, je regarde le docteur Zegana, je lui fais du coup, fallait me laisser boire plus tôt en fait. Ah, tu peux pas la regarder, elle est sur Zoom. Mais... Comme quoi, t'es déjà un peu chargé, ouais. Je la regarde sur Zoom. Donc, mais alors... Pourquoi tu me récupères? On est mute, Edouard. Ah, bah donc. Ah, vous faites chier. T'as appuyé sur le bouton. De là. Tu peux me dire, t'as déjà appuyé. Deux groupes
Deux groupes distincts sont donc envoyés dans deux drones différents. L'un étant un groupe de scientifiques et l'autre un groupe de militaires qui vont donc s'occuper de déplacer l'œuf. Non, c'est pas l'un de militaire et l'un de scientifique. C'est un scientifique avec des militaires de chaque côté. Oui. Ouais, voilà. D'accord. L'œuf est donc déplacé sans problème. L'intégralité de l'opération s'est passée dans un calme total, personne n'osant dire le moindre mot, que ce soit à l'intérieur du drone ou à l'intérieur du vaisseau. Tout le monde dans la salle de contrôle était un peu en mode « si on se rate, on est mort ». En même temps, c'est assez vrai, hein, je pense. Oui, bah ouais. Probablement. L'œuf est donc décalé plusieurs dizaines de mètres plus loin. Et lorsque le drone revient, que ce soit les militaires ou que ce soit les scientifiques, ils vous font tous le même rapport comme quoi quelque chose d'étrange s'est passé. Il y a eu un drôle de bruit pendant l'intégralité de la manœuvre. Bruit que vous n'avez pas entendu de votre côté. Et après vérification, les deux bras robotiques du drone permettant de déplacer cet œuf sont complètement cramés. Le métal a fondu. Mais l'œuf a été déplacé ou L'œuf a été déplacé, c'est juste que le métal a fondu, visiblement. Parce que l'œuf est chaud, quoi. L'œuf doit être extrêmement chaud. Ce qui n'est absolument pas visible sur les différents radars et sur les différentes analyses que vous avez faites pour l'instant. D'accord. Même les visions thermiques, c'est peut-être des radiations. Ah. On a des trucs, des détecteurs de radiation. Vous avez des détecteurs de radiation, et même après cette réflexion qui n'est pas bête, non. Ça, les gars, faites un Non, mais c'est un genre d'effet Polaris, encore une fois. Oui, ça doit être l'effet Polaris, certainement. Ça doit être un système de... Ça doit être un système de... Comment dire, une biologie de défense de ces espèces. Vous... Commencez donc une manœuvre. Helm, tu vas participer à ceci, étant donné que tu es connu comme étant un navigateur hors pair et que Vasiliev t'a un peu recommandé pour aider à la manœuvre, qui est une manœuvre très précise. Pour me faire une analyse sonde scan, effectivement. Ah bah dis donc, c'est étonnant. Pour aider l'équipage à. Ça passe. Team Le Duc, hein. Team 11. Team 11. Mais on voit si c'est à l'oreille, j'ai 3 de plus. C'est une analyse plus son que scan. Là, pour le coup, c'est plutôt une analyse scan, étant donné que le but étant vraiment de lire les radars et de vérifier les manœuvres de manière à ce que vous soyez très précis pour éviter de toucher les bords de l'immeuble, parce que vous pénétrez dans l'immeuble avec le vaisseau, et que c'est pas ultra, ultra fait pour, quoi. Votre vaisseau étant particulièrement grand, je vous rappelle que vous avez un beau bébé en termes de trucs. Oui. C'est un peu grand. Le trajet continue à l'intérieur d'un boyau. Boyau permettant d'avancer. Vous êtes dans un noir total, plus aucune lumière passe, même si ça fait très longtemps que vous n'en avez plus, mais il n'y a même pas de lumière de quelconque vie marine, ce qui est un peu plus rare dans les environs. Aucune vie marine, aucune flore marine même, juste de la pierre, comme si c'était un immense tunnel creusé à même la roche. Ouais, ça a été... De toute façon, on sait que c'est une ruine, donc ça a été habité dans tous les cas. Enfin, du moins que ça a été créé. Est-ce que si je fais ça... Tout explose. Est-ce que si je fais ça, tout explose ? Non, mais pas bon, je me suis trompé. Dame bête. Oula. D'ailleurs, ça fait un moment que depuis le début de l'opération du bougeage de l'œuf, j'ai arrêté de picoler. Moi. Là, je suis parti pour... Vous faites des attaques. Maintenant, je suis parti pour décuver, surtout pour être chaud, quoi. Ouais, c'est ça. J'arrête de voir. Oui, ça fait combien de temps? 2 heures. Ah oui. Voilà. Ouais, c'est bon. Non, surtout la réflexion, c'est bon. On se met au boulot. Bon, le boulot arrive. On va arrêter de picoler, quoi. Tu es sobre depuis combien de temps là, du coup? 10 minutes. Ah oui. 10 minutes environ. C'est quoi dans ta poche? Une plaque pour 4 heures. Ouais, mais c'est au cas où. C'est ma pause de 10 heures, c'est pour le goûter. C'est ça ou en cas de blessure grave. Et j'ai souvent des blessures graves dans la gorge. C'est pour quand faut avoir des idées.
C'est ça, c'est quand visiblement personne n'a d'idée, je m'enfile la flasque et bizarrement après on m'écoute. C'est très bizarre par contre. Alors, excusez-moi, mon illustration est buggée, du coup je suis obligé de trouver un plombé. Un plombier? Un plombier. Un plombier? Vous avez des soucis d'audition, monsieur Badel. Comment? Qui? Alors, hop. Ça avance. Je retrouve ce que je voulais. On est repassé sur la ville. Trop dans les boulevards. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Oh putain. Ouais, là, on fait peur à voir. Est-ce que ça marche? Hop. Ou est-ce que je vais le faire? Ça nage. Mour. Quoi de blague, il est drôle. J'irai pas jusque là quand même. Vide personnage que tu es. Toujours. Alcoolique surtout. N'oublions pas les principes de base. N'oublions pas les non, t'es plus alcoolique depuis 4 heures. Non, je suis plus alcoolisé depuis 4 heures. J'ai un nouveau, mais c'est ton record depuis. C'est éclaté ton record. Ah bah avant, oui. Hop, hop. Ah, mauvais. C'est bon, ça marche. Tac. Hop là, on va faire ça comme ça. Normalement, ça devrait être bon. Vous arrivez au bout de la sortie de ce boyau au-dessus de ruines visiblement artificielles. Il y a assez peu de doutes oh, là-dessus. Oh, étonnant, dis donc. On s'y attendait pas, celle-là. Les ruines sont gigantesques et vous font penser à une ville, directement une ville probablement humaine, de créatures humanoïdes, avec ses ponts, ses arches et ses bâtiments. Votre sous-marin passant directement en plein cœur de cette ville, pendant que tout le monde est en train d'envoyer des analyses dans tous les sens. Visiblement, cet endroit est alimenté en énergie, car les lumières sont encore suffisamment... il y a suffisamment d'énergie pour alimenter les lumières de cet endroit. Extraordinaire. Mais aucun mouvement, aucun bruit ou quoi que ce soit. Dans l'Effort d'être deux, en fait. C'est dans ma tête, pardon. Les deux. Le duc a toujours des séquelles. Hein. C'est choses qui vont pas ensemble. Tu veux un petit verre, ça va passer. Non, moi j'essaye d'arrêter, souviens-toi. Non, la drogue. Pendant que le vaisseau avance, quelques drones d'exploration sont envoyés à gauche, à droite, pour vérifier si l'entrée de la cache polarienne se trouverait ici, ou si c'est juste quelque chose qui se trouve devant. Est-ce que vous faites partie des équipes? Est-ce que l'un ou plusieurs d'entre vous font partie des équipes? Là, je considère que ça fait bien 2 jours hein, que vous avez commencé à rentrer dans le boyau. Ah oui, bah moi j'y vais. Hein. Est-ce que, oui, est-ce que vous faites partie des équipes? Vous y allez tous, du coup? Alors, déjà, ouais. Je vais... Moi, je suis toujours en quarantaine. Mais... Tu n'es plus en quarantaine. Il n'y a eu aucun changement sur ta situation, du coup, les gens ont estimé que... Une quarantaine de 2 jours, c'est pas ultra sérieux. Il paraît que dans quarantaine, il y a 40. Oui, le problème, c'est que tu as une analyse à peu près quotidienne et continue de ton corps, et il n'y a eu aucun changement sur ta situation. Il n'y a aucune raison que ça commence à changer maintenant. Bah, c'est comme le Covid, hein. Il peut y avoir une période d'incubation d'une semaine. Il y a des tonnes de raisons. Je ne vois rien. Oui, bah, du coup, mais... je propose d'attendre qu'on puisse voir quelque chose avant d'y aller, quand même. Ce serait dommage de se priver du talent du docteur Zegana, d'autant qu'elle nous en voudrait d'y aller sans elle. Oui, complètement. Oui, ce serait dommage. Très bien. Vous attendez donc... On t'envoie un SMS, tu sais, un WhatsApp. Et bisous, on y va. Bisous. Allez, à plus. Allez, salut, amuse-toi bien dans ta cage. Merde. Bande de salons.
Vous attendez donc plus d'informations et un peu plus longtemps pour être sûr et certain que Zegama n'ait aucun problème. Les différentes équipes qui reviennent et qui partent en exploration indiquent que l'intégralité des portes de ces endroits sont fermées et que pour l'instant, la seule équipe qui a réussi à rentrer dans un bâtiment était un bâtiment qui a été ouvert visiblement par un séisme ou autre gronde force qui aurait fait fissurer un mur. Mmh. Et qu'à l'intérieur, il y avait plusieurs barres métalliques. Pangolins. Aussi. Pangolins, barres métalliques, traversées d'une lumière bleutée, transportant visiblement un liquide ou un gel encore inconnu. Ils n'ont pas osé percer le verre ou le matériel qui permettait de voir ce liquide, par peur que ce liquide réagisse directement avec l'eau. Mais pour l'instant, pas énormément d'informations à ce sujet. Je connais des gens qui auraient cherché à savoir ce que c'était plutôt. Oh, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est? Oh, je sais pas, ouvre, elle va une goutte. Je lèche le caillou. Tu tombes et meurs dans d'atroces souffrances. C'est un peu ça, oui. Pour l'instant, les quelques analyses que vous avez vous indiquent une absence totale de vie ou de flore dans les environs. Tout a l'air vraiment artificiel, à un point robotique, à un point où vraiment c'est javelisé les environs, il n'y a rien. On est dans un EHPAD. Vous êtes dans un EHPAD. Ça dépend, est-ce qu'il y a des signes de maltraitance? Oui. Ça dépend, est-ce que ça pue la pisse? On est dans un EHPAD. On est dans un EHPAD public, pardon. C'est mal. Ouais, du coup, que fait-on, les amis? Plusieurs jours, votre vaisseau tourne un petit peu en rond, s'enfonçant de plus en plus profondément, à un point où les instruments commencent un peu à déconner, parce que même si vos instruments sont prévus pour aller à des profondeurs, là, Helm, on est encore dans les eaux de résistance du sous-marin. Le sous-marin a été prévu pour descendre jusqu'à 20 000 mètres. On a atteint des eaux qui, normalement, ne sont pas possibles sur Terre, même à cette époque. Là, vous êtes sous terre, donc ça va. Oui, mais je veux dire, là, vous êtes à 19 000 mètres de profondeur, c'est pas normal. Et ça descend encore, c'est ça? Et ça descend toujours, oui. Et ça n'a pas l'air de s'arrêter de descendre. Et le vaisseau ne montre aucun signe de... De problème ou de pression ou quoi que ce soit. Mais d'ailleurs, de mémoire, l'eau qui était autour de l'œuf, etc., ne montrait pas ces problèmes-là non plus. Il n'y a pas de problème de pression. Non. Et là, c'est pareil. Du coup, si on sort, les drones marchent bien, tout marche bien. Quoi. Oui, tout fonctionne bien. Donc, c'est pas lié. Même si tu te rappelles bien dans l'écosystème général, que ce soit aussi bien dans les créatures que le reste. Hein. Tout allait bien. Ce qui veut dire que c'est pas lié au Léviathan, peut-être, mais plus à la zone. Quoi. Au lieu. Ouais. Au lieu, ouais. Il y en a peut-être d'ailleurs des lieux de poissons. Les fameux. Au bout d'une bonne semaine de repos et de vérification, tout le monde est en bon état. Aucune blessure n'est à signaler, et si ce n'est quelques blessures par-ci par-là de maladresse humaine, de personnes qui se sont fait tomber du matériel sur des pieds ou de mauvaise utilisation de tel ou tel outil. Le fumble classique hein, sur un jet de dés. C'est exactement. Est-ce que Marin a essayé de me recontacter d'ailleurs? Marin n'a pas essayé de me recontacter. Non. Marin a été. Est-ce qu'il va mieux? Non, Marin est dans un état critique. C'est dommage. Il est allé voir des médecins qui ont effectivement remarqué que ses organes étaient en train de lâcher les uns après les autres. Il aurait dû mourir. Cependant, il a utilisé une sorte de petit appareil qui se trouve au niveau de son cou. Il a toujours un collier qui le maintient en vie depuis ce temps-là. Alors, de ce que vous avez pu comprendre et de ce que les équipes médicales vous ont dit, c'est rempli de nanomachines qui sont en train de le réparer, mais clairement, ses organes sont en train de le lâcher les uns après les autres. Hein. Oui, donc en fait, ça le maintient plus que ça le sauve. Quoi. Oui, ça le maintient en vie et il est dans le coma depuis maintenant 4 jours. Oh, je donc, posais la question à Zegana. Ce serait dommage qu'on aille me passer par l'esprit. Ce serait dommage qu'en allant voir pour s'assurer qu'il va bien. Dans le doute, j'en parle pas. Mais elle, je pense que ça va pas lui venir à l'idée. Mais moi, oui. Non. Du coup, je vais lui en parler, tu vois, à voix basse, comme ça.
Au fait, dis-moi, le marin qui va pas bien, c'est... Ouais, mais je me joins à la conversation, du coup, quand je... Quand Tu j'entends que ça parle n'aurais de pas marin à la de... Zegueda, je m'approche quand même. Tu n'aurais aucune idée d'où ça pourrait venir, ma chère. Ça serait dommage que son collier le lâche. Non, n'est-ce pas? Tu cherches quoi comme... T'as besoin de quoi? 10 000 balles, s'il te plaît. Ouais, j'ai ça. Plein, plein d'argent. Donne, donne. Donne l'argent. Une cagnotte litchi comme Pécresse. Pour 1 000 000, pour 5 millions. L'appel au don. S'il vous plaît, argent. Argent, 5 millions, s'il vous plaît. Ma valeur est toi travail, point à mendicité. Ça m'a fait tellement rire. Ouais. C'était parfait. L'expédition continue. Vous arrivez à 19 000 mètres de profondeur, ou plutôt 20 000 mètres maintenant de profondeur. La limite supposée de profondeur du navire, le navire ne montre aucun signe de pression et vos indicateurs ne montrent pas une pression particulièrement impressionnante à l'extérieur. Cependant, vos outils de plongée, alors ou c'est vos outils de plongée qui sont complètement bouteillés, ou il se passe quelque chose avec l'eau à l'extérieur. Dans quel sens? Mais dans le sens où vous êtes pas du tout à 20 000 mètres de profondeur, mais vos outils déconnent et vous disent que si, ou vous êtes à 20 000 mètres de profondeur et le monde autour de vous déconne et les lois de la physique ne fonctionnent pas comme elles sont censées fonctionner. Fait, on est sous le triangle des Bermudes de Polaris. Non. Oh bof. Alors que vous Allô, passez papa, tango, Charlie. Pardon. la barre des 20 000 mètres, Rancard, tu vas me faire un jet, s'il te plaît, Vas-y. de Sensation du flux. sensation du flux. Merci. Trop fort, je le savais. Tu es en train de vérifier. Et c'est réussi très C'est largement, une réussite beau. magnifique. Très bien. Tu as ressenti une perturbation dans la force. Non. Tu ressens qu'il y a quelque chose dans ce noir, dans ces profondeurs qui vous entourent, quelque chose de vivant et quelque chose qui vous observe. Eh ben, je vais prendre un air sombre et dire à mes copains. Des gens, quelque chose, il y a une présence ici. On Non, nous c'est pas tout observe. à fait. Si tu regardes, il fait. Non, Nous ne sommes pas étonnant. seuls. Nous ne sommes Ils pas sont seuls. dans les murs. Oh Des putain. tambours dans les profondeurs. Eh ben, C'est vous ça. croyez pas si bien dire, Oh non. parce qu'à peine Des Rancard a pu gobelins. finir cette déclaration que des gobelins sortent les murs. Non, que les Des murs. gobelins de la lune avec notamment les berserkers là, qui tiennent les gros boulets et qui vont dans tous les sens. Ou Je sais plus comment plutôt c'est. ce que vous croyez être des murs et que Helm remarque sur son analyse sonienne, alors qu'il a les yeux figés là-dessus, remarque que les murs sont en train de se désagréger et que plusieurs dizaines, centaines, voire milliers de petites créatures métalliques sont en train de venir vers vous. Ah, On a des boucliers? Des boucliers de genre. Vous avez des énormes plaques de blindage, non, vous n'avez pas de bouclier C'est énergétique. métallique. Si c'est Voilà, métallique, dommage. on a peut-être un moyen de faire un IEM avec le bateau. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, sinon. Hein. Vous avez Un un petit champ moyen, électromagnétique. vous avez effectivement un moyen de faire un IEM avec le bateau. Alors que vous faites remarquer ça à l'équipage, Vassiliev effectivement demande à ce que cette IEM soit déclenchée directement et au bout d'une longue dizaine de secondes, alors que vous commencez à entendre le bruit du métal tapant le métal à l'extérieur, une grande vague bleue s'échappe de votre vaisseau, calmant toutes ces créatures. Il y a effectivement plusieurs milliers de petits morceaux métalliques tombant autour de vaisseau. Vous rassurez un peu sur la présence d'avoir pris un immense vaisseau plutôt qu'un petit sous-marin. Oui. Ce qui te rassure moins, le duc, c'est que tu es à peu près sûr que ce qui t'observait, c'était pas ça. Oui, c'était plutôt quelque chose de Mmh. vivant qui m'observait. Oui. Oui. Disons que l'effet Quelque chose Polaris, aussi qui généralement, avait. ça réagit Voilà. moins avec le métal. Donc je transmets à mes compagnons que je ne. Parce que tu vois, il y en a certains qui sont. Ouais, on les a eus! Non. Oui.
Il y a autre chose. Très clairement, les gars, restez à l'affût. Il y a autre chose. Essaye peut-être d'utiliser le scan du vaisseau. Helm, je sais que tu aimes ça en plus. C'est mon bouton préféré. Oui, voilà, Helm, justement, Helm, tu es la seule personne à pouvoir tenter ce jet. Du coup, je vais te demander, tu vas me faire un jet d'analyse son scan. Plus son ou plus scan? Plus son. Avec un malus de moins 7. Oula. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Joli vin. Oh, le joli vin, ouais. Ouais, bah c'est con, hein. Du coup, je j'entends pas, moi. Tu relances ou tu ne relances pas? Ah non, mais j'ai plus de points de chance, en fait. Du coup... Mais on a tout bousillé. Il me reste 5. Bon, allez, je vais relancer une fois. Ça, j'ai plus de 4 points de chance. Ouais, moi, j'en ai plus, hein, tu sais. Donc bon, s'il me reste peut-être 1. J'avais dû en garder une. Ton scan. M'éclatant. Alors, 6... Alors, moins ça passe, ça passe. Ouais, ça passe parce que j'ai plus 3 avec mon 6 sur 14 7, du coup. Ça passe. Ça passe. Ok. 11 joli. Plus 3, joli, du coup, ça fait 14. Moins 7, ça fait 7. Il a fait 6 pour 7, ça passe. Ouais, non, mais joli, joli. C'est une réussite. Effectivement, rien ne s'affiche sur vos instruments, mais alors que toi, tu es en train de te concentrer sur le son et ce qui t'entoure. Au début, tu pensais que c'était le bruit du métal qui s'enfonçait dans les profondeurs. Et en fait, tu es à peu près sûr d'entendre un grondement sourd venant des profondeurs, un grondement de quelque chose qui est en train de se rapprocher et qui est gigantesque. Je crois que j'ai trouvé le papa de celui qui est en haut. Ça n'a pas de sens. On va espérer que non. Mais c'est plutôt un gros... J'ai croisé votre femme, elle était très sympathique. Mais franchement, mais excusez-moi, vous dites-moi, monsieur, ça s'est super bien passé, vous lui faites pas honneur. Oh putain. Commence pas à parler mal aux bestioles. Alors que Helm prévient l'équipage que quelque chose est en train de se rapprocher, une On immense tentacule sort des profondeurs. Vous ne pouvez pas voir... Un tentacule, pardon. Sort des profondeurs suffisamment grandes et suffisamment épaisses pour attraper directement le vaisseau sans que vous y arriviez à voir qui se trouve à l'autre bout de ce membre, mais vous voyez d'autres tentacules s'approcher petit à petit du vaisseau. Je peux faire un jet de biologie marine, sachant que j'ai la spécialité Léviathan, pour essayer de savoir ce à quoi nous avons à faire. Tu peux faire un jet de dé, oui. Je propose d'envoyer Emma au Rhum. Ouais, vas-y, duel. Alors. Vas-y, bestiole. Vas-y, Emma, c'est moins ça, c'est pour savoir plus si est-ce que résister c'est une bonne idée, est-ce que c'est une créature genre qui nous attire parce qu'elle est curieuse, mais a priori ça va pas nous défoncer la gueule, quoi. Juste des trucs basiques de est-ce qu'on tire et on fuit vers le haut ou est-ce que ça sert à rien, quoi. On entend Your resistance is futile. Resistance is useless. Alors. All your base belong to us. All your base bear belong to us. Les références. Tac. Alors, Zegana, tu fais le tour et tu es sûr et certain, sans la moindre doute, que tu n'as jamais vu, ne serait-ce qu'une créature, jamais entendu une créature avec des tentacules aussi grandes. Même dans les légendes, parce que je rappelle que ma spécialité, c'est pas la biologie Léviathan, c'est la théologie Léviathan. Même dans les légendes. Là, on est sur... Là, on est sur... t'es un croyant et tu viens de tomber sur un dieu pâtre qui tombe du ciel. Un dieu pâtre tout lourd. Ok. Notre seigneur du pastafarisme. Le pastafarisme vient d'apparaître. Le pastafarisme inversé. Celui qui vient ainsi en haut, ainsi en bas. Voilà. As it is above, so it is below. Par contre, ce que t'es sûr, c'est que si cette créature respecte deux, trois règles logiques de vie marine, avec des tentacules aussi grosses, elle défonce votre vaisseau sans aucun doute. Bon. Non, bah, je sais pas, le duc, tu veux pas lui demander poliment de pas le faire? On peut essayer. Le duc oui, est hein. vraiment postier depuis le début de la session. Ah ouais, non, mais démerdez-vous. Hein. Alors là, c'est surtout le duc en sueur, hein, parce que il y a un truc avec des tentacules géants. Le truc, t'as. Zegana qui ouvre des yeux, c'est des soucoupes en mode ah shit, ça ne devrait pas. Zegana, clairement, Zegana, ça ne devrait pas exister.
C'est même pas, oh mon dieu, les légendes. Là, elle est en mode, non, ce truc n'existe pas. Zigana, elle est entre panique et fascination, clairement. Donc, ben, on va essayer. Si demain tu tombes sur un humain de 5 mètres, t'es surpris. Si demain tu tombes sur un humain qui fait la taille d'une planète, t'es pas surpris. T'es terrifié. T'es terrifié. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ok. Et on va essayer. Après tout, tu as raison. Hein. Ça... Côté Polaris semblait échanger chez elle. Donc, essayer. Il y a un monde où elle ne nous mange pas. Je veux dire, nous ne sommes pas un crabe. Un monde. Elm, tu vas me faire un jet de pilotage pour aider tout le monde, car votre vaisseau est traîné vers les profondeurs à grande vitesse. Et si pour l'instant, il y a un grand débat entre Antoine qui dit « Attendez, ne tirez pas !» et Vasilev qui dit « Pas volonté !» Oui, alors je dis clairement à Vasilev que s'il a connaissance des armes qu'on a là-dedans, ça a l'air tellement gros que... Voilà, oui, ça, à part vaguement alors, l'énerver, ça va pas se d'un autre côté, Elm, que ça soit toi ou Vasilev, votre culture fait que vous ne vous voyez pas partir sans combattre. Oui. Ah, ça c'est sûr. Donc c'est-à-dire que de ce que tu vois du Vasilev, il est pas en mode on peut la tuer. Vasilev, il était en mode tu vas peut-être me bouffer, mais je vais te mettre tout ce que je peux dans la gueule. Ouais, logique. Oui, bah avant tout ça, on va essayer de parler avec. Hein. Allez, hop. Et là, tous les membres d'équipage sont surtout en train d'essayer de naviguer et de bouger le navire pour essayer de le déplacer et de sortir de cette tentacule. Bah, je demande dans l'absolu, je demande un rapport de dégâts, voir si le machin essaie effectivement de nous écraser ou si. Pour l'instant, il vous traîne. Pour l'instant, il n'essaye pas de vous écraser, il vous traîne vers les profondeurs. Par contre, c'est déjà pas mal. Par contre, petit détail, je suis pilote de navire léger, moi. Je suis pas pilote de navire de cette taille-là. Hein. Oui, alors, je veux bien aider, mais. Oui, justement, tu n'es pas. Tu n'es pas en mode. Je conduis l'intégralité du navire. Là, en fait, tu cours à gauche, à droite, en mode. Ah, toi, tire ici. Ah, okay. Vous faites ça. Là, vraiment, tu files un coup de main, quoi. C'est le capitaine. C'est le capitaine à la navigation, quoi. Oui. Oui, ok. Je fais un jet de quel pilotage, du coup, navire léger ou navire lourd? Tu vas me faire un jet du navire qui est le plus haut pour toi. Donc, navire léger, probablement. Oui. C'est une réussite. Sans souci. Tu aides donc, ne permettant pas malheureusement à votre vaisseau de se libérer, mais à votre vaisseau d'utiliser l'intégralité de ses moteurs pour résister à l'attraction vers les profondeurs. Même si des tentacules qui apparaissent les unes après les autres, vous savez que votre vaisseau est en train de se faire tirer et qu'au bout d'un moment, vous ne pourrez juste plus vous échapper. Et vous ne voyez toujours pas ce qu'il y a au bout de ces tentacules. Et c'est pour ça que j'essaye, si c'est possible, de communiquer avec, en disant « lâche-nous, pas taper, nous, nous alliés ». Un jet de maîtrise du flux, s'il te plaît. Maîtrise de l'effet Polaris, plutôt. Maîtrise de l'effet Polaris, pardon. C'est sensation du flux. Donc ça, c'est... Ouais. J'aurais préféré l'autre. Ah, la musique. Ouais, c'est ça. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas, est-ce que tu forces la réussite ou est-ce que tu acceptes... Si ça va coûter la vie de mes compagnons, parce qu'il y a une grosse bestiole qui est en train d'essayer de nous emmener, on va, oui, je pense. C'est un peu le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on te demande de faire un truc avec l'effet Polaris en ce moment, c'est que notre vie en dépend. Il est mort comment, le duc? En donnant sa vie pour nous. D'accord. Traduction, on l'a vu se concentrer très fort, sa tête a explosé. Ça fait un prout et il est mort. Il a pété, il est mort. J'ai pour un dessin, du coup, s'il te plaît. Très bien. C'est un dessin. Il va exploser. Hop. 50. On est dans la moyenne. J'ai des questions de... Dis-moi. De cuisson. La température 100 mètres autour de toi augmente de 20 degrés. En considérant qu'il doit faire entre, je dirais, 18 degrés à l'intérieur d'un sous-marin. Ouais, ça doit être un peu ventilé. 38 degrés, 40 degrés, tu te sens comment? Si ce n'est juste que t'as très chaud. Bah, t'as très chaud. Je pense que dans les sous-marins militaires à l'heure actuelle, c'est à peu près... Le problème, ce ne sera pas pour nous, ce sera pour les éventuels composants fragiles de l'appareil informatique autour de nous. Oui, encore. Je pense que 40 degrés, ça reste... 40 degrés, ça va, quoi. Mais t'as informatique, c'est...
C'est-à-dire ça, c'est que... un bar de sécurité humain, à 100 degrés, hein, tu sais, un ordinateur. Pour un être humain, tu vas juste retirer, tu retires une couche, quoi. Effectivement, tu arrives à communiquer, par contre, vous avez tous ultra chaud d'un coup, hein. Vraiment, le duc est devenu une chaudière. Bah dis donc, le duc... C'est pas la première fois qu'on m'appelle comme ça, Et avec le stress de la situation, vous vous en rendez pas compte, mais effectivement, vous suez à grandes eaux. Mais le duc, tu arrives donc à te connecter avec cette créature et tu es emporté en aparté avec moi. Ah! Déplacé vers Polaris, aparté. Paf! Je te prends et je t'emmène. Là, si t'es là, allô? Est-il muté? Allô? Mais... Oui? Allô? Non, c'est juste qu'en fait, il faut que tu me laisses venir, parce que comme je suis sur mon téléphone, quand vous m'invoquez, ça me met pas sur l'audio. C'est de la merde. Ah, c'est complètement con. Faut que tu me laisses venir. Tu ne peux pas me forcer, le consentement. C'est ça, tu ne peux pas me forcer. Je t'écoute. Tu prends contact avec cette créature et tu es terrifié, car cette créature n'est pas une créature que tu pourrais considérer comme vivante. Tu ne ressens pas les émotions de cette créature, tu ne ressens qu'une profonde sensation de violence et un but. Vraiment, cette créature est là pour te détruire. Tu ne sais pas si c'est un robot, tu sais juste que là, c'est la seule chose que tu ressens de cette créature. D'accord. Donc je sais qu'il y a aucun moyen de comment dirais-je, converser avec ou d'obtenir une quelque forme de d'échange. Tu peux tenter, là c'est tout ce qui t'a frappé au moment où tu as ouvert la communication avec. Tu peux tenter de lui envoyer quelque chose pour la calmer, la détourner, quelque chose, mais il va falloir que tu me devises déjà ce que tu fais et en fonction, il faudra que tu me fasses un autre jet. Bah de me faire passer pour un... Tu vois, un... Plutôt que... Parce que là, a priori, ça s'en fout, ça veut nous détruire. Peut-être de nous faire passer, non pas pour un allié, mais pour un de ses semblables. Du coup, tu tentes de te faire passer pour un poulpe. Enfin, ou en tout cas, une créature qui pourrait ressembler à ça, parce que tu n'as aucune idée de ce que c'est. Donc vraiment, tu essayes... Non, mais un truc avec des tentacules, tu vois. Voilà. Ouais. Moi frère, tu vois, plutôt que moi ami, justement. D'accord. Tu vas donc me faire un jet de dés, et ça va effectivement peut-être changer deux, trois trucs. C'est un jet de quoi? Maîtrise de l'effet Polaris. Ah, toujours? Ok. Toujours. Alors, je vais te prévenir tout de suite. Ah bah, tu vas dire, c'est un échec, sauf si tu forces la réussite. Ouais. Si jamais tu forces la réussite, tu sais que ce que tu vas réussir à faire, c'est réussir à faire passer toi et l'équipage, ou les trucs de ta taille, comme alliés. Dans aucun cas, tu arrives à faire passer le sous-marin pour un poulpe. Ouais. Que tu arriverais à toi te faire passer pour quelque chose, donc toi, le duc et peut-être tes compagnons et l'équipage, comme plein de petits poulpes. Donc tu arriveras à pas la rendre agressif envers toi, mais pas la rendre agressif envers le vaisseau, ça t'a l'air compliqué. Bah, du coup, non, je pense pas que ce soit utile de forcer la réussite pour recréer potentiellement un incident sur mes compagnons et moi. J'ai plutôt me déconnecter, constatant ça et dire à mes copains. fuyez ou défoncez-le. Là, c'est un truc qui est pas, c'est pas. Est-ce que je me dis qu'on a une chance de rentrer dessus? Non, parce qu'en te connectant, tu arrives à voir l'étendue de la créature et tu vois que clairement, vous en avez même pas vu 1%. La créature est bien plus profonde, et elle est véritablement gigantesque. Votre sous-marin ne fait même pas la taille d'une de ses tentacules. Un tentacule. Par contre, une bonne nouvelle, c'est qu'en te connectant à cette créature, tu as pu voir, ressentir un peu les environs. Et tu as pu ressentir une immense entrée, suffisamment grande pour faire entrer l'intégralité du sous-marin, qui tient, et étant donné que tu es un ancien archéologue, pour le coup, tu le sais, qui contient énormément de symboles directement généticiens. Tu es à peu près sûr et certain que c'est la fameuse entrée de la cache. Et cette entrée est trop petite pour la créature, mais suffisamment grande pour votre vaisseau. Ben, je vais transmettre ça à mes compagnons de fête d'Arda. Très bien. Donc, je m'en vais d'ici. Où tu t'en vas d'ici, nous allons retourner avec tes. Ok.
de rendre une petite visite à Marin pour lui demander comment il va, lui mettre une balle dans le buffet. Bon, non, c'est pas, tu vas pas mettre de balle dans le buffet si c'était la question. Ah non, non, c'est à Marin, c'est pas pour toi, hein, t'en fais pas. Ah. Du coup, vous voyez que je me concentre, que j'ai l'air de me connecter à la bête, que je blanchis, que j'ai l'air de me reconcentrer, que je blanchis encore plus, j'ai un sourire sur le visage, je rouvre les yeux, je vous regarde et je vous dis, alors là, ce qu'on voit, ça fait même pas 1% de la créature, c'est beaucoup plus profond, nous n'avons aucune chance, hein, clairement. Je regarde les Helm, notamment, et l'autre gars de la Corax, nous n'avons aucune chance. Je, ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Ouais, voilà, d'accord. En revanche, j'ai une bonne nouvelle. Je pense avoir décelé où est la cache que nous cherchons. Deuxième bonne nouvelle, la créature est bien trop grande, même la taille de ses tentacules sont bien trop grands pour passer à l'intérieur. Je vous propose donc de vous guider jusqu'à cet endroit, qui est la cache généticienne que nous cherchons après tout. Et advienne que pourra. C'est plutôt pour repartir ou... Mais bon, on verra à ce moment-là. Donc, on met plein gaz, on tire dans les tentacules et on fonce. Helm, tu entends ceci et avec tes indications de Rancard, tu vois effectivement une échappatoire. Le problème, c'est que pour pouvoir aller à l'endroit qu'il t'indique, il va falloir se rapprocher de la créature puisque cette entrée est plus bas. Ouais. Pourquoi faut toujours que les entrées soient vers les tentacules pour fuir les tentacules. Attends, les tentacules, il y en a une qui vous a agrippé là, non? Il y en a une qui vous a agrippé, oui. Bah, ce qu'on fait, c'est qu'on la laisse nous traîner vers le fond. Et ensuite, on met un coup. Et au moment où on est à une opportunité d'atteindre le lieu, on tire avec tout et puis on fonce. On tire dessus pour la surprendre, le temps qu'elle relâche une demi-seconde et on fonce dans la cage. Et on met plein gaz. Ah. Vous. Est-ce qu'on n'aurait pas des charges, sinon des charges leur, qui traîneraient quelque part? Vous avez le truc, c'est qu'on n'a pas le temps vraiment de réfléchir, en fait. Vous avez effectivement des chargeleurs. Bah, vous faites donc traîner petit à petit vers les profondeurs, attendant le signal de Rancard pour faire feu, pendant que, Helm, tu remarques que si la créature au début ne faisait que vous traîner, là, elle commence à légèrement vous compresser, plus vous descendez, plus elle vous compresse. Et les bruits de craquement tout autour du sous-marin vous indiquent que il est solide, mais il va peut-être pas tenir encore très longtemps. Quoi les plus grosses armes qu'on a là-dedans? Les plus grosses armes que vous avez sont des... Tac, que je dise pas de bêtises. On n'a pas un canon de 75 ou... Une portée nucléaire. Oui, voilà. Je suis juste en train de vérifier, je vais être devant là, donc je vais vous le dire. Il balance une bombage dans la gueule, t'inquiète que ça va les faire. Vous avez une vingtaine de canons à neutrons, 30 lance-torpilles. De taille variable. Ouais. Plusieurs lance-leurs et. Oui. Rien que les canons à neutrons ainsi que quelques lance-harpons anti-véhicules. Oui, donc il y a moyen de faire quand même 2-3 takoyaki avec le tentacule qui nous entoure. C'est-à-dire que vous avez suffisamment d'armement pour que vous saviez que si jamais vous vous battiez avec le Léviathan, vous perdiez, mais le Léviathan aurait eu ultra mal. Et en fait, si vous battiez avec le Léviathan sans l'effet Polaris, vous aviez même une chance. C'est juste que le Léviathan bullshit avec sa magie, quoi. Mais en termes de juste créature, vous aviez de la chance. Vous aviez Michel, moi j'ai une classe de guerrier, je suis pas un petit. Ah bah là t'es clairement pas opti non. Donjon 3.5. Enfin. Ben, mais dès qu'on est à portée, moi je propose qu'on fasse feu sur la tentacule qui nous tient, pour qu'elle nous lâche. Et qu'ensuite on balance tous les leurres possibles qu'on a pour qu'elle sache plus lequel est le vrai ou pas. Mm-hmm. Et pas faire trop feu dans le but de juste de l'abîmer, mais pas forcément de la trop la blesser, parce que le but n'est pas non plus d'énerver à un point où elle fout des coups de tentacule dans les murs et qu'elle va tellement s'effondre. Ah non, tu la blesseras pas. Tu la blesseras pas. Tu vas la piquer, quoi. Mais un petit peu comme si tu disais « Oh non, ce moustique m'a blessé. Oh !» On en est là. Hein. Bah, j'imagine quand même qu'on peut essayer de la faire lâcher comme ça, quoi. Parce que ça va le faire un peu de dégâts, je pense. Mais exactement pour ce que tu disais, le côté plutôt surpris de « Oh tiens, ce truc m'a mordu, quoi. » Bon. Et derrière, on leur chevoule l'heure pour qu'elle sache plus lequel rattraper, quoi. C'est ça. Ça, c'est, je pense, top comme idée. Vous attendez donc le moment parfait. Tu vas me faire un GM de pilotage d'avion léger avec un malus de moins 5. Pour calculer... De moins 12.
pour calculer parfaitement le moment où tu dois. Oui, lâcher. Oui. Je vais retenter quand même. Je voudrais essayer, mais est-ce qu'avec le malus ça passe? Avec le malus ça ne passe ah, pas. Ah non, avec le malus ça passe pas. Mais au moins ça passe. Si on peut pas lui donner un bonus en disant Gambatté, Gambatté. Là, c'est-à-dire que là, il y a tout l'équipage qui est accroché à ce qu'ils peuvent. Il y a déjà la moitié de l'équipage qui est prêt à se précipiter à l'intérieur des capsules de secours pour aller où s'éjecter. Pour aller où? Pour aller justement vers cette entrée, puisque de ce que vous avez et de vos instruments actuellement, la pression extérieure n'est pas équivalente à 20 000 mètres. Elle serait supportable. Donc ça serait de la fuite, mais c'est juste le truc, c'est pour éviter de crever comme des merdes. Moi je reste assis dans la salle de commandement à me servir un verre de whisky. C'est-à-dire que même si t'es serein, toi t'as accepté la mort, hein, parce que ça craque énormément. Elle. Ah moi j'ai accepté la mort, hein, c'est de toute façon ce sera la merde. T'es à peu près sûr que tu vas donner l'ordre un peu trop tard, mais au moment où tu donnes l'ordre, de nombreux craquements et de nombreux signaux, de nombreuses alertes vous indiquent que des fuites d'eau et des pressions d'eau viennent de lâcher à l'intérieur du vaisseau. Le vaisseau n'est pas en train de couler, mais on est en état un poil critique. Ouais. Quand tu avertis tout le monde de faire feu, les armes se déclenchent d'un coup, permettant à effectivement la tentacule de se relâcher quelques instants avant que tous vos leurres se déplacent. Tu propulses le navire à la plus grande vitesse dont il est capable de faire preuve vers l'entrée du sous-marin. Quand tu remarques avec les instruments une tentacule qui n'est pas visiblement en train de foncer vers toi pour t'attraper, mais de foncer vers toi pour te frapper. Visiblement, vous l'avez énervé. Ah, là qui est dommage. L'intérêt, c'est que là, on a balancé plein de leurres. Vous avez balancé plein de leurres. Et il y a des tentacules qui partent dans toutes les directions. C'est juste que là, il y en a une, tu sais pas si elle te vise toi volontairement. Il y en a une qui va... Il y a un tentacule qui fonce dans ta direction. Que fais-tu? Est-ce que tu demandes à ce qu'on tire dessus pour lui faire reculer? Est-ce que tu tentes une manœuvre pour l'esquiver? Est-ce que tu dis « balèque, on se la prend et puis on continue à aller tout droit » Ah. L'esquiver, ça pourrait être bien. Je suis sûr que tirer dessus, ça l'empêche, vu qu'apparemment, on lui fait pas vraiment de dégâts. J'imagine que l'esquiver pourrait, dans la mesure du possible, genre soit en freinant le bateau suffisamment pour que la tentacule nous passe devant, soit en accélérant, je sais pas, soit en faisant un truc comme ça, mais je pense que l'esquiver me paraît plus judicieux que de lui tirer dessus. Alors, effectivement, tu pourrais ou freiner ou accélérer. Tu freiner serait la manière la plus simple d'esquiver ça, mais le problème c'est que ça vous enlèverait énormément de votre vitesse et tu risquerais de te prendre d'autres tentacules le temps que vous repartiez. Accélérer serait ce qui vous permettrait d'atteindre directement l'entrée de la cache. Le problème c'est que si tu veux accélérer à une vitesse suffisante pour faire ça, t'es sûr et certain que tu mets le vaisseau en surchauffe, le réacteur et les moteurs en surchauffe, et clairement tu éclates tous les systèmes de sécurité pour dire on s'en fout, on va tout droit. D'un côté, dans une situation normale, ça c'est dangereux mais pas suicidaire, mais il y a des fuites un peu partout, donc normalement c'est pas censé faire tout péter. Je la vois qu'à l'instant, sinon je peux juste changer de cap, hein. Légèrement pour l'esquiver, est-ce que c'est possible? Tu peux tenter, mais ça serait un jet de navigation particulièrement complexe. Ou je peux orienter le sous-marin de façon à ce qu'elle frappe pile l'endroit où il y a la chambre de marin. Oui, mais elle risque de faire d'autres dégâts que juste ce marin. Ouais. Là, vraiment, mais cette haine envers Marin. Ah oui. Là, ouais, dans le pire des cas, on largue Marin. Hein, Il nous faut un sacrifice. Marin, sacrifiez-vous. Pourquoi moi? Oh, faites pas l'enfant. Mais parce qu'il peut pas dire non, il est dans le coma. Bah, je regarde un peu ce que je peux faire, hein, mais je crois que je peux pas faire grand chose d'autre que d'espérer. C'est ou tu freines esquiver et tu la tentacule, pour, esquiver d'autres tentacules, ou tu accélères et tu prie pour que ça pose pas d'autres problèmes, ou tu tentes une esquive, et dans ce cas-là, ça va être un jet particulièrement complexe de navigation. En lourd, là, pour le coup. Avec un malus. Statistiquement, j'ai une chance sur deux, et il me reste assez de points de chance pour lancer deux fois le jet de dés. C'est une strat. En vrai, non, mais on esquive. On esquive, donc tu vas me faire un jet de navigation navire lourd avec un malus de moins 3. Pas du tout. Moins dommage. 3, non, moins 3, ouais, je vais relancer. Hein. Dommage. Eh, c'est bon. Ça passe. On se passe 2 points de chance. Ça passe, la session qui use vos points de chance.
En même temps, tous les dangers ont l'air quelque peu mortels. Tu arrives à naviguer et à esquiver tout juste cette tentacule, ce tentacule, nom de Dieu, et à pénétrer à l'intérieur du boyau, pénétrer à l'intérieur de la cage polarienne. Quelques tentacules fouillent derrière vous, essayant de vous attraper. Malheureusement, elles n'arrivent pas à rentrer, elles sont bien trop grosses. Et un immense hurlement, que cette fois-ci, tu n'es pas le seul à entendre, Helm, se fait entendre derrière vous. Vous allez tous me faire un jet de volonté pour ne pas, pour ne pas péter une pile avec juste le cri de ce qui se passe. L'intégralité de l'équipage est en mode « Mon Dieu, on savait que c'était gros, mais là, on a échappé au diable, quoi. » Bon. Est-ce que moi, je peux pas juste me concentrer sur ma bouteille de whisky? En vrai, si j'avais plus de temps, moi, j'en faisais du calmar frit. Hein. Là, c'est juste deux secondes à faire vite. Elle, mes Zegana qui sont en mode, je vois pas le problème. Ah, moi, ça passe pas. Zegana, je lui dis, toi, tu mettrais comment? Tu ferais fuir dans l'huile de colza ou dans l'huile de tournesol? Moi, je le ferais pas frire, je l'emmènerais dans un aquarium et je l'étudierais. Moi, j'ai la main qui tremble un peu plus quand je Moi, j'ai la main qui tremble plus quand je sers mon whisky. L'océan, on a quand même cette bonne taille. On est tous bien en vrai. Ouais, oui, sauf Edouard qui noie dans l'alcool, et effectivement, voilà, vous voyez Edouard trembler. Entre le Léviathan et ça, effectivement, Edouard a un peu un problème avec les créatures marines. Ouais, là maintenant, je pense que j'ai un problème avec les créatures marines de taille incommensurable. J'aurais dit que tu avais des problèmes tout court, mais oui. Oui, mais là, ça s'est un peu accentué, disons-nous, avec le temps. J'ai des problèmes. Ah bah là. Vous continuez donc à naviguer, ignorant les messages d'alerte du vaisseau ainsi que toutes les fuites qui viennent de se déclencher dans le vaisseau. Je t'ai envoyé un truc, Tom, hein, d'ailleurs. Ah. Tu vas faire un jet correspondant, s'il te plaît, Rancart. Du coup, je vais te poser la question. Hop. À mon avis, ça va être plutôt ça. Ah! Et bah, du coup, j'aurais pas dit celui-là. Ok. Mais c'est bizarre. Bah, c'est bizarre, disons. Tu sais ce que tu vois, j'aurais plutôt dit. Je vais te le dire. Ah là là. Pas de messe basse concurée. Hein. Ouais. Tant bien, je suis là. Ok. Concurée. Je suis ce qui se rapproche le plus d'un prélat ou d'un clerc dans cette assemblée, donc voilà. Ça fait office d'eux. Oh, ça passe. C'est beau. Ça passe, effectivement. Alors que Helm et Antoine sont en train d'essayer de gérer la catastrophe qui se passe au niveau du pont de commande, que Vassiliev et Douyou sont en train chacun de gérer leur équipe respective, leur demandant de se préparer ou à réparer le navire en urgence ou à fuir le navire parce qu'il y a énormément de fuites d'eau et de problèmes d'eau qui se déclenchent les uns après les autres. Vous voyez Rancard disparaître un instant avant de revenir un peu plus tard. Vous savez pas trop où il est parti, mais visiblement. Moi, du coup, j'en profite du coup pour aller filer un coup de main aux équipes de ressoudage, voir si je peux filer un coup de main. Quoi. Pour l'instant, vous êtes surtout en train de souder des portes les unes après les autres, ignorant des salles entières du vaisseau qui sont en train d'être condamnées. Quoi. Clairement, vous soudez des portes en mode bombe. Tant pis pour cette pièce, et puis on verra plus tard. On verra plus tard. C'est... Vous finissez par arriver à une sortie de ceci, une sortie à l'air libre, entre gros guillemets, vous permettant d'émerger avec votre sous-marin. Il y a de la lumière au niveau de cette grotte et suffisamment d'espace pour que vous sortiez et installiez un campement suffisamment grand pour l'intégralité de votre équipage. Mettant quelqu'un de bien, moi je me demande comment va Marin après ce magnifique. Marin est mort. Oh bah quel dommage. Oh bah oui, mais en même temps, il y a eu beaucoup de morts, hein. C'est dommage. Il y a eu beaucoup de morts, effectivement, beaucoup de morts noyés, beaucoup de morts d'accidents ou enfermés dans des pièces qu'on a été obligé de condamner parce qu'on n'avait pas le temps de les faire sortir. Ah merde. Edouard, tu as toi-même du sang sur les mains, tu as toi-même condamné quelques pièces dans lesquelles il y avait des membres d'équipage.
Tu ouais, le savais, bah... mais t'étais en mode déso. Ah bah, c'était soit ça, soit on claquait tous, quoi, donc... Effectivement, il y a eu pas mal de morts lors de ce passage, et Helm, lorsque tu fais un check-up des outils, un check-up du vaisseau, le vaisseau est dans un état catastrophique. La moitié des pièces, la moitié des pièces sont ruinées, le vaisseau est à la limite, tellement il en est, de couler, de ne plus pouvoir flotter. Ça va, il a pas pris grand-chose au final, hein. Il a pas pris grand chose, mais la pression, en fait, tout simplement la simple pression de la tentacule qui vous a traîné vers le bas a été suffisante pour quasiment le faire se séparer en deux. Ah oui. On a eu deux vaisseaux. C'est une manière de voir le problème. Le moteur à l'arrière, les contrôles à l'avant. Pour ma part, je vais du coup faire un check-up médical, encore une fois, mais c'est mon boulot, je suis là pour ça. Vérifier ouais. Si tout le monde va bien. Et puis, alors, je vais pas la communiquer aux patients, bien entendu, mais dans mon check-up, je vais trier les patients entre peut être sauvé, mais on n'a plus les ressources. Malheureusement, on peut plus rien faire. Tu fais du triage, ouais, comme on dit. Ouais, le triage. Ouais. C'est malheureusement. Alors, effectivement, tu fais du triage. C'est un rapport que je ne communique qu'à Antoine. Effectivement, Antoine est heureux, enfin, heureux pour autant que ce terme puisse être utilisé dans cette situation. Il est content que tu aies pris l'initiative de faire ceci. De faire remarquer que pour l'instant, ceux qui n'ont pas les capacités d'être soignés, mais juste les capacités d'être maintenus en vie, vont pour l'instant être maintenus en vie car le campement qui est en train de se monter à l'extérieur est suffisamment large et pour l'instant, nous n'avons pas d'une menace, même si nous n'avons pas exploré. S'il n'y a pas de menace, nous aurons l'occasion d'attendre ici et peut-être d'espérer des renforts. Même si il espère rien, parce qu'avec la créature qui est à l'extérieur, à moins qu'on trouve une autre sortie, bah les renforts ne pourront jamais venir, et même vous sortir, ça risque d'être compliqué. Mmh. Mais il préfère attendre le dernier moment pour devoir éliminer des hommes, histoire d'éviter une possible rébellion ou quoi que ce soit. Une chose, pour le coup, que je recommande dans mes capacités de biologiste et non pas de médecin, je recommande très fortement... Pour le coup, parce qu'on sait que la créature est de toute façon hostile, d'essayer de voir si on peut sacrifier peut-être 4-5 drones et pour avoir un échantillon juste de la tentacule de la bestiole. Genre, t'en envoies 4 en pour avez... attirer la tentacule, t'en as un qui prélève parce que ça nous permettra éventuellement de synthétiser un anesthésiant qui pourrait calmer la chose le temps qu'on sorte. Vous avez des échantillons qui sont... Ça me semble peu probable, mais c'est mieux que de pas essayer. Bah, disons autant c'est pas la... Je pense que c'est pas la question technique... qui m'embête. Je pense pas que c'est. Je pense qu'on est en capacité de le faire. Je rappelle tout simplement que le machin fait environ la taille d'une montagne. Donc je sais pas à quel degré de substance tu vas devoir synthétiser pour que ça ait vaguement l'effet. Mon histoire est moins sur la substance et plus sur le. Si on a un peu de chance, c'est une bestiole qui est susceptible à l'électricité et du coup avec des tasers suffisamment puissants, on peut la stun le temps de sortir. Avec 12 rostales nucléaires, yalla. On largue le réacteur directement dans la bouche de la bestiole. Un prélèvement me permettrait de savoir à quoi potentiellement elle est sensible. Instant à la webbar. Vous avez des échantillons de la tentacule qui restent sur le vaisseau suite à la manœuvre d'attaque et d'esquive et de fuite du capitaine Helm. Mm-hmm. Il y a quelques bouts de tentacules qui ont été arrachés par les tirs et qui ont été emportés directement avec le sous-marin. Je dis, moi, j'en donne directement. Là, on est dans une espèce de grotte, hein, c'est ça. On est remonté, on a de l'air. Oui. Donc, j'en donne. Pendant que certains montent le campement. Oui. Du coup, j'en donne les réparations par priorité, du coup, des zones à réparer. Alors, je me permets peut-être en deux secondes. Si on est à l'air, une des choses que je vais faire aussi, c'est faire une analyse chimique de l'air. Parce que c'est une poche d'air, il y a un monde où c'est pas de l'oxygène, enfin, c'est pas la composition idéale. L'air est totalement respirable. Et d'ailleurs, Zegana, tu remarques une chose avec Rancart. C'est que l'air n'est pas de l'air filtré comme on pourrait le trouver dans une station, ni même de l'air vicié ou peu mouvant comme on pourrait le croiser dans les grottes sous-marines. C'est le même air qu'on pourrait trouver en surface, même s'il est bien moins corrompu et bien moins irradié ou porteur de sable irradié ou ce genre de matériaux. Je fais une note mentale de quand j'aurai fini de gérer les 15 crises plus urgentes que ça, je me prêterai de cette crise-là, mais c'est pour plus tard. C'est la merde tout le temps, c'est la merde partout. Quand on est au stade de prioriser tes crises de niveau 20, c'est que bon.
Je me permets aussi d'ailleurs, j'envoie le message à Zegana quand je sais qu'elle va faire tous ces trucs-là, etc. Et même avant, quand elle commence à observer tous les membres d'équipage. D'ailleurs, d'essayer de vérifier si pendant ces analyses, il n'y a pas. Juste de checker, vu qu'elle voit les gens de près, si certains n'auraient pas un visage quelque peu douteux. Ouais, notamment d'ailleurs de vérifier aussi sur les morts, si on a le temps. D'envoyer chaque. Ça va être. J'en ai probablement pour une semaine à faire tout ça, oui. Au minimum. Ouais, mais on va probablement, de toute façon, avant de rentrer, on va probablement s'assurer que le sous-marin soit à peu près en état, que le campement soit monté, que le plupart des blessés soient. Et puis de temps de tout déballer et tout, on a mis un petit rond. Je vais rajouter ça à mon processus de check-up que je fais suivre à tout le monde. Le gamin, d'ailleurs, comment il l'a vécu, cette situation quand même un peu houleuse? Il est mort. Le gamin a eu de la chance, simplement parce qu'il était dans les zones comme. Il était dans les zones de quarantaine, comme Zegana. Ah ouais. Il est mort. Zones qui ont été ouvertes en urgence quand la décision de est-ce qu'on fuit ou est-ce qu'on fuit pas était sur la table. C'est-à-dire qu'on a dit dans le doute, on va se préparer, on va ouvrir les portes histoire d'éviter de les faire crever. Moi qui ai donné l'ordre, hein, je vous le dis. Oui. Et ce gamin est actuellement dans les bras, ou plutôt aux pieds, du soldat avec qui il avait parlé au tout début quand il était arrivé sur le navire. Oui. Il y a à peu près la seule personne avec qui il lui tient à peu près le pantalon. Pendant et que il est soldat, vivant, ce soldat Ce soldat est vivant, oui, il lui tient le pantalon, et pendant que le soldat est en train de discuter avec d'autres soldats, ils sont armés, ils sont visiblement en train de faire le compte des blessés, et de ce que tu comprends, Helm, qui n'est pas très loin, il y a l'air d'avoir un petit débat, tu sais pas si ça prend de l'ampleur ou pas, car étant donné qu'on est sur Terre, beaucoup de Polariens viennent de la Terre, après tout, l'Empire Polarien est tout autant en profondeur, enfin dans les sous l'eau que sur l'eau, que sur Terre. Et il y a toute une tradition pour les héros et pour les grands soldats d'être enterrés sur Terre. Ah. Et du coup, étant donné que là, il y a de la Terre pour enterrer les gens, il y a un débat comme quoi les corps qu'on a pu récupérer, ils devraient être enterrés sur Terre et non pas balancés à la flotte où ils seraient récupérés par cette créature. J'y vois pas d'objection en soi. Hein. C'est pas vraiment un problème. C'est pas vraiment un problème. Alors, t'y vois pas d'objection. L'objection vient plutôt du côté des scientifiques qui sont en mode on vient d'arriver dans une zone qu'on connaît pas et autres. On va peut-être pas mettre nos cadavres dégueulasses partout. Oui, c'est-à-dire que moi, c'est ce que je veux dire, c'est que en particulier, si on sait pas si l'air il est renouvelé, renouvelable, etc., avoir des choses qui vont créer de la putrescence et potentiellement affecter l'air, c'est vraiment pas fou. Ouais, mais on n'a pas des. Si tu les enterres, si tu n'as pas de putrescence, ça n'affecte pas l'air. Juste les... Oui, mais si on les enterre, il y a un risque, certes faible, mais existant, de s'aborder l'intégrité structurelle. Là, pour l'instant, on n'a aucune idée de pourquoi on a une poche d'air et ce qui fait qu'elle tient. Et d'un autre côté, je soutiens l'idée d'un enterrement en mer, envoyer un drone ou une navette, les larguer à l'entrée du tunnel par lequel on est passé, et puis là, les créatures les bouffera ou autre, mais. Quelle est la taille de la zone où on est, en fait, surtout quelle est la taille de la poche dans laquelle on est. Mais genre là, est-ce qu'on voit le plafond? Est-ce que c'est une petite grotte dans laquelle on a émergé? Vous voyez le plafond? Le plafond est à quelques centaines de mètres au-dessus de nous, donc il est vraiment très très grand. Mais surtout, il y a tout un tunnel que vous pouvez voir qui s'enfonce et il y a effectivement une source d'eau qui coule à un endroit tombant non loin de l'endroit où vous avez émergé. D'eau potable en plus? Les analyses indiquent que oui, c'est de l'eau potable. Mais du coup, là, ça, non, si ça fait cette taille-là. Ouais. Je demande une confirmation aux scientifiques, du coup, pas Zegana, mais. Bien plus loin. Ce que je veux dire, c'est que là, la taille de la poche d'air, il y a de quoi faire vivre pour des centaines de personnes pendant des années. Je veux dire, là, pendant de l'épuiser. Il y a des arbres d'ailleurs, il y a des plantes dans le truc. Mon inquiétude, c'est moins l'air. C'est plus le fait, ce que pourrait faire une corruption de l'air. Il n'y a pas d'arbres ou de fruits ou de fleurs. Par contre, il y a sur les bords de la rivière qui va s'écouler, qui s'écoule dans le lac sous-marin, même si ce n'est pas vraiment un lac, il y a à quelques endroits une petite mousse verdâtre et un peu humide que Zegana reconnaît comme étant simplement de la mousse qu'on peut trouver à l'état naturel, normalement en surface, mais qui n'a rien d'exceptionnel si ce n'est que c'est particulièrement pratique pour absorber de l'eau, quoi. C'est d'accord, mais ça. Ils font des travaux au-dessus. Ça me paraît quand même suffisamment grand pour pas qu'il y ait de risque de contamination d'air. Je veux dire, c'est immense la zone. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une petite salle où on risque de. Enfin. On parle de combien de cadavres d'ailleurs à enterrer? 606. Plus de 600 cadavres. Il y en était combien au total dans le bateau?
Ah ouais. 2000. Ça commence à faire pas mal. Vous étiez un peu plus de 2000. Là, vous avez perdu un... moins un... entre le quart et le tiers de votre équipage. Voilà. Et en termes de, en termes de répar. Oui, voilà. Moi, je vous dis mon avis scientifique en la matière, qui est de pas mettre les morts là où on va stocker les vivants pour un temps indéterminé. Mais après. Bah, la question que je me pose, c'est surtout, c'est, est-ce qu'on les enterre pile comme ça, ou est-ce qu'on n'a pas des espèces de sacs mortuaires hermétiques? Alors, Morgane, justement, vient te faire remarquer, enfin, vient vous faire remarquer, parce qu'elle a entendu parler de votre discussion, que Antoine et Vassiliev sont en train actuellement de débattre de ceci, car Douyou a exprimé la situation comme, comme Zelgana, et elle est actuellement s'occuper des blessés, elle a autre chose à foutre. Mais Morgane fait remarquer que quelque chose qui n'a pas encore été trop pris en compte, c'est qu'on n'a pas les ressources pour pouvoir enterrer autant de personnes. On n'a pas suffisamment de sacs mortuaires pour autant de personnes. Ouais, et, ben... et du coup, si on veut les enterrer à la manière polarienne pour les polariens, normalement, c'est des cercueils en métal. Et on n'a pas assez de métal, du coup, on sera obligé de démonter des parties du sous-marin. Donc, Ah non. Non, mais le but n'est pas non plus de les faire dans un cercueil en métal. C'est-à-dire que bon. Et au-delà de ça, si c'est la meilleure polarienne, il y a combien de polariens qui sont morts? Il y en a une centaine? Il y a 200 polariens qui sont morts. Il y a un tiers des polariens qui sont morts, du coup, là-dedans? Il y a un tiers des polariens qui sont morts pour une raison toute bête, ouais, c'est que les. La grande majorité des personnes qui ont été sauvées, ce qui permet aussi actuellement à Douyou et à beaucoup des membres d'équipage, que ce soit ceux qui ont été recrutés directement quand vous étiez à Rhodes, ou les membres de la République du Corail, la grande majorité des personnes qui ont pu être sauvées alors qu'ils étaient coincés d'un côté ou à un autre, ou noyés ou en train d'être blessés, tous ceux qui avaient la moindre chance d'être sauvés ont été sauvés par des sacrifices de Polaris, qui ont couru à gauche à droite, littéralement soulever des morceaux de métal ou faire « bon attendez, je retiens la porte, cassez-vous, mais je vais y passer, mais tant pis ». Là, les polariens sont considérés comme des... La grande majorité des polariens sont considérés par des héros, par les survivants de l'équipage. C'est une des raisons pour laquelle on veut les enterrer à la polarienne. Bah dans ce cas-là, qu'on enterre les polariens à la polarienne, et les autres, si c'est pas d'importance pour eux, bah, qu'ils aillent nourrir la créature. Comme ça, ça fait moins de corps. Oui, voilà. Et la salle est grande, et puis ça comme ça paraît être un juste milieu. Alors oui, on risque de paraître trop vite. Pour ce qui est des azuriens, ça sera pas un problème de les envoyer nourrir la créature. Alors oui, mais justement, pour ce qui s'agit de nourrir la créature, je vous inviterai, même si ça peut paraître un peu horrible, de garder les corps pour le moment, parce qu'elle nous attendra quand on cherchera à nous en aller, et balancer des choses qui pourront servir d'appât, même si ce n'est pas très humain, bah, on sera bien content de les avoir à ce moment-là. Mais on peut garder les corps, effectivement, on peut les foutre dans l'eau là, et comme ça on pourra les traîner ou dans un filet. Un genre de filet sous l'eau, comme ça ils vont se courir là. Elm, tu es à peu près sûr que... Dans un frigo. Les polariens sont très très patriotes, donc en négociant bien sur les mots, tu sais que ça pourrait passer. Mais dire à des polariens, on va balancer vos frères qui sont morts au combat pour sauver des non, vies mais dans la bouche d'une créature. Non, les polariens si sont morts, il en reste 400 des corps. On n'est pas à 200 corps près pour la créature. Je pense que l'on en balance 400, elle a bouffé quand même. Je veux dire, elle a besoin d'avoir 400 pour te faire en 600 plutôt que 400. D'accord. C'est juste que si, pour les azuriens, comme le dit Zegana, ils s'en foutent de ça, que même limite, ils essaient de bouffer derrière, etc., ils s'en foutent, et ben ils serviront de nourriture. Je veux dire. Effectivement. C'est pas qu'ils en foutent, c'est que ça sera un moins grand tabou que pour vous. C'est juste que là, dans la situation, si les polariens, même si j'ai confiance en leur loyauté, mais si on voit que les polariens qui se sacrifient pour tout le monde et que derrière on bafoue un peu au moins ce qu'ils peuvent espérer si jamais ils se sacrifient, pour garder une cohésion totale, je pense que c'est quand même important de respecter au moins ça, quoi. Antoine n'est pas un ultra fan de cette décision, enfin de cette réflexion, même si. Il suit votre logique, tout simplement parce que, de son point de vue, ça crée deux groupes. Ça crée le groupe des polariens qui sont enterrés en héros et un autre groupe qui va être jeté à la créature dans un monde, il sera jeté à la créature. Ça divise un peu l'équipe, mais effectivement, c'est une des meilleures solutions. Bah, de toute façon, il n'y a pas que les polariens qui vont être enterrés. Les autres, ils s'en foutent. Les autres s'en foutent, oui. C'est pas une question de « Ah mon Dieu, les autres sont outrés ». C'est plutôt que ça... Quand t'es dans ce genre de situation, t'essayes de faire que tout le monde ait la même enseigne. Oui, bah tu fais un petit discours comme quoi la majorité des gens ont réussi à s'en sortir grâce aux polariens, qu'on leur doit bien ça pour ce qui s'est passé pendant l'incident, et que c'est tout. Enfin, je veux dire, pas plus que ça, tu vois, il n'y a pas de traitement préférentiel outre mesure, c'est juste que bah, là, pour le moment, c'est grâce à eux que vous êtes là, ils sont morts pour vous sauver, on leur doit bien ça pour cette fois. C'est pas un traitement de faveur en continu, c'est juste que là, ils ont une demande, au vu des pertes qu'ils ont mangées, ça va. C'est pas non plus... C'est pas infaisable.
Donc, pendant que la grande majorité des membres de la République du Corail sont en train de soigner tout le monde et de vérifier un petit peu l'état de la situation, et que les membres de Rhodes, l'équipage de base, sont en train de, ou installer le camp, ou vérifier ce qu'on peut sauver du navire. Mais d'ailleurs, juste une petite question. Étant donné que Marin est mort, qui a repris les commandes des gars de Rhodes ? Son bras droit, qui est un homme relativement oubliable. Un grand homme chauve auquel vous n'avez quasiment pas discuté, car il était toujours derrière Marin, et surtout occupé à noter ce qui était dit. Et d'ailleurs, depuis la mort de Marin, la seule chose qu'il fait, c'est noter les décisions, et à peu près tous les Rhodiens sont un peu en roue libre. Hein. C'est-à-dire que je vais aller justement me faire... L'autorité chez les Rhodiens, ouais, vous êtes gradé, vous avez l'air d'être les chefs, du coup on vous écoute, parce que la situation fait qu'on a besoin d'un chef. Mais il y a... Disons que, de base, c'était pas comme les Polariens ou les Azuriens qui avaient une structure. Là, c'est vraiment, on est là et on va vous écouter, mais il n'y a plus de chef. Quoi. Je m'en vais justement vers le quartier rhodien pour essayer justement de reprendre un peu tout ça en main, histoire de fédérer un peu tout ça. Et d'avoir, ne serait-ce que les rhodiens soient un front uni et uni à la cause, tu vois. Très bien. Pour la situation, voilà. Tu vas faire, du coup, s'il te plaît, un petit jet. Quel est l'état de sous-marin à nous, déjà, il a rien eu, j'imagine, parce qu'il était au milieu. Les sous-marins qui étaient dans la cale n'ont rien eu, ça c'est la bonne nouvelle. Oui. Par contre, le gros vaisseau est vraiment... les réparations et les analyses vont dire s'il est sauvable, mais de ton habitude, tu penses que là, il faudrait un véritable chantier pour le rendre exploitable. Le but, c'est juste de le faire suffisamment résistant pour qu'il puisse remonter, hein. C'est pas non plus de... persuasion, s'il te plaît, mon cher Edouard. Persuasion, c'est dans communication. Oui, et tu as. Je l'ai pas. Éloquence, persuasion. Ouais. Dans communication. J'ai rien. J'ai rien dit. J'ai rien. Je sais pas parler. Est-ce que au-delà de ça, au lieu de faire preuve de ma persuasion habituelle, je ne peux pas. Un jet de commandement alors, si tu veux. Je suis pire en commandement. plutôt faire semblant, genre ce serait vraiment genre vraiment faire semblant en fait, être au-delà de mon personnage, genre vraiment juste jouer le chef, tu vois. C'est vraiment genre juste ça, essayer de faire semblant jusqu'à ce que ça passe vraiment, quoi. Tu peux faire de la vie de comédie, mais tu sais que ça risque d'être, voilà quoi. C'est vraiment tu fais genre et peut-être que quelques-uns d'entre eux vont t'écouter, mais c'est pas ça. Sinon, je peux essayer de lire le sentiment général et l'utiliser pour... Le sentiment général est assez lugubre, mais y a pas, pour l'instant, tu ne vois pas de problème comme quoi les hommes vont partir ou fuir. Y a pas de toute façon, on ne peut pas fuir. Je suis où, là ? Oui, il n'y a pas d'endroit où fuir. Vous êtes les personnes qui leur fournissent à bouffer. Ils vous écoutent. Y a pas de problème de... Il va y avoir une rébellion ou quoi que ce soit. Le problème, c'est plus que... ça écoute les ordres d'à peu près n'importe qui, autant que ça soit les Polariens, autant Equinox, comme autant les Azuriens. Ce qui n'est pas forcément un problème de notre point de vue, c'est juste que... À voir si sur le long terme, ça risque pas de créer des problèmes, mais... Bon. Qu'est-ce que je peux utiliser ? J'ai rien qui peut marcher. À part intimidation, mais je vais pas commencer à leur faire peur, quoi. Tu m'écoutes ou je te tape ? Ouais, bah non, mais surtout qu'il y a rien qui justifie que je commence à les tabasser, quoi. Donc, j'ai rien du tout, c'est terrible. Je suis en train de regarder dans mes compétences que je peux essayer de twister pour faire passer dedans. Pendant ce temps, Mais Gigant, d'ailleurs, Helm, juste Helm, on a, il me semble, dans les drones qu'on avait récupérés dans notre vaisseau, du coup, il y a un drone qui est particulièrement doué pour réparer les trucs, et il y a également le robot pacificateur, donc tu peux peut-être te servir pour diriger ce vivant-là, Edouard. Non, mais le pacificateur, ce serait si jamais c'était la merde, calmez-vous. Le pacificateur, il sera très utile si jamais vous avez une rébellion sur les bras. Là, ça serait un peu... Ce serait clairement les traiter comme des criminels. T'as une marche pour la paix et t'envoies les tanks, quoi. C'est pas ouf. Ouais, c'est ça. Oh, ça se fait, hein. T'envoies Judge Dredd, c'est différent. ça se fait, oui. Alors, tu m'avais dit que c'était quoi, la base ? Éloquence ? Non, persuasion ? Deux ? Persuasion ou commandement ?
Commandement, j'ai moins 20 et éloquence, j'ai 2. Donc, comment ça, t'as moins 20? Enfin, j'ai moins 1. Ah, ok. Parce que c'est volonté présence. Enfin, sinon, limite, je fais un jet d'analyse empathique histoire de voir à peu près comment ça se passe et de me caler en fait. Ce serait de me caler en fait, bah, justement. En analyse, dans le besoin. T'as pas besoin de faire de jet d'analyse empathique, tu sais très bien l'esprit des gens. L'esprit des gens, et bon, on a eu plein de morts, on est perdu, on sait pas où on est. C'est, ouais, voilà. Les gens sont paumés. Là, Notre chef est mort. Notre chef sinon, est mort. Sinon, voyait le bon côté des choses. C'était un connard. Je viens et je te dis qu'on les. Je te dis, je leur dis que. Qui sont placés sous ton autorité. Hein. Ouais, bah non, mais un polarien qui vient dire ça, ouais, c'est un peu la merde. Sinon, limite, comment dire, limite déguisement. Pour l'instant, elle, il était plutôt bien aimé chez les Rodiens. C'est vrai que, mine de rien, c'est le cas. Oui, bah écoute, accompagne-moi, et puis on leur passe un petit mot. Disons que je serais pas leur chef, je serais le référent chez les Rodiens, tu vois, plutôt oui, comme voilà. ça. J'ai une voix qui c'est quelqu'un vers qui se retourner quand c'est la merde, tu vois. Tu es leur responsable. Ouais, voilà. Au moment le référent. Il y a quelques voix qui sortent un petit peu des quelques personnes qui sont devant moi en mode mais pourquoi Edouard, enfin pourquoi lui, je veux dire, on l'a jamais vu à Rhodes. C'est pas un Rodien. Oui, mais c'était un ami de marin. Alors j'irai pas jusque là. Tu vas me faire, s'il te plaît Edouard, tu vas me faire un jet enfoiré de persuasion, d'entraînement, de séduction, de comédie, de conte ou de quoi que ce soit. De danse, même si tu veux, pour réussir à faire ouais, j'étais un ami de marin. Parce que là, il y a tout le monde qui te regarde après ce qu'il a dit en mode ah bon? Alors, enculé de ta race, parce que j'ai rien. J'ai déguisé. Je sais pas, j'ai déguisement imitation dans l'absolu où je fais genre ah ouais, j'étais vachement. Oui, déguisement imitation, oui. Je rigole. Non mais j'ai rien mec, j'ai intimidation dans l'absolu, mais je vais pas juste leur gueuler dessus, enfin ça... Si jamais tu rates, tu peux tenter intimidation, c'est juste que jamais tu le rates, tu vas être à l'origine d'une rébellion, oui. Ouais non voilà, donc non, bah on va tenter... Mais est-ce que je peux lui donner un bonus parce que je... Tu peux lui donner un bonus de plus 2 parce que tu fais preuve d'autorité à côté de lui. Bon allez, bah éloquence, persuasion, difficulté, non, je mets quoi? Je mets plus 2, moins 2 à la difficulté, je sais pas. Je mets rien, le normal. Tu fais le jet normal, on vérifie. Okay. Non. Nous aviserons. Tant pis. T'as 2 Ouais. Mais c'est ça de la plus élevée. Je le tente même pas, en fait. Tu l'as tenté, là, t'as jeté les dés, c'est trop tard. Mais tu m'as dit que j'étais obligé. T'as pas genre commandement, t'as pas genre autre chose? Genre analyse en Non, plutôt ce que je fais, c'est qu'au lieu que tu dises que t'as un pote à marin, que j'étais un pote à marin, je leur dis non, mais on a tous plus ou moins évolué dans les mêmes sphères de manière, dans les mêmes sphères professionnelles, les mêmes sphères sociales. Disons qu'au niveau du gros commandement, je serais peut-être le mieux à même de vous comprendre et de comprendre vos problèmes. Et de discuter avec vous. Au lieu de demander à des bureaucrates au gradé, des militaires ou des scientifiques. C'est vous qui voyez. Alors que t'es en train de dire ça, t'entends une voix, mais t'arrives pas à savoir qui c'est. Il fait ouais, on préfère demander à un alcoolique. Et tout le monde commence à rigoler pendant que toi t'es en mode je lui mets la main dessus, je vais le tabasser. Avant que la foule que elle m'avait réussi à assembler commence à partir vivre sa vie à gauche à droite. Edouard, tu dois à peu près avoir l'autorité d'un poulpe là. Moi je laisse tomber l'idée, j'en ai plus rien à foutre. Reviens avec le pacificateur. Respecte mon autorité. Non, bah non. Non, je reviendrai avec le. Je commencerai à sortir la lame thermique si jamais il commence à me trompeter les couilles. Vous allez m'écouter, oui. Non. Bah, en cas de rébellion, j'en empale 2-3 et puis après on avise quoi. D'accord. Et tu dis après que j'exagère quand je parle du robot pacificateur. Et non. Ouais, mais le pacificateur, c'est envoyer des armes de guerre. Je ne suis pas une arme de guerre, je suis juste un alcoolique. Dit-il avec un bras robotique et une jambe robotique. Oui. C'est ça. Quand il bouge, Edouard, ça fait. Pour toi, tu peux dire. J'aurais dû lever mon bras avec la magnifique peinture de dragon et je leur dis non, mais les gars, enfin. Ah, mais oui. C'est vrai qu'il y a cette peinture, j'ai oublié. Oui, peut-être, oui. Et c'est Robocop qui arrive qui fait « Je suis peut-être une machine, mais avant tout, je suis agent de la paix. » Non, mais tu sais, j'aurais juste levé le bras en disant « Bon, bah, j'ai un peu bossé avec vous, quoi. » Enfin... C'est l'agent de la paix des inconnus, c'est ça. Tu vois, en termes d'alcoolique, il y a pire que moi. Bon, bah, laisse tomber, de toute façon. Zagana est donc occupé à soigner un maximum de personnes, comme la grande majorité des Azuriens, ou ceux qui ne sont pas occupés à soigner sont occupés à faire des analyses pour éviter que tout le monde décède dans cet environnement inconnu. Elm, tu vérifies actuellement l'état des troupes polariennes qui sont
plutôt bien. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a, ils sont, la grande majorité sont tristes des morts qu'il y a eu, mais il y a, c'est pas eu, ça n'a pas été des morts inutiles. Ils, la grande majorité d'entre eux ont sauvé des hommes, ouais. Et du coup, ils sont plutôt fiers d'avoir... Je me remets en ordre l'échelle de commandement aussi, donc, parce que j'imagine qu'il y a pas mal de gradés qui ont pu mourir, etc. Donc je remets en ordre tout ça. Il y a quelques promotions express. Il y a quelques promotions express. Mais il n'y a pas de gradé important qui est mort, par contre. Non, enfin, marin. C'est triste. Oui, mais ça compte pas, ça. Ça compte pas, oui et non, dans le sens où c'était celui qui avait le moins d'autorité, on va dire, en termes de décision dans l'expédition. Mais d'un autre côté, ouais. C'était le représentant des Rhodiens, et les Rhodiens, c'est ceux qui y a le plus dans l'expédition. Mais voilà. Oui. On va faire une... comment il s'appelle? Une Chirac. Écoutez... je pense. J'aime. Ça va le faire. Non, mais je pense qu'on va surtout, surtout envoyer Helm pour leur parler, je pense, Rhodiens. Que fais-tu? Parce que tout le monde est occupé, mais toi, est-ce que tu fais quelque chose de particulier? Je vais surveiller les échanges, les communications numériques pour voir s'il y a eu des échanges, en fait, pendant tout le bordel. Parce que quand je vois à quel point j'ai eu des facilités à. Enfin, voilà. Je me dis que potentiellement, je n'ai pas été le seul et je vais vérifier tout ça. Tu vas me faire, s'il te plaît, un jet de recherche d'informations, mon beau rencard avec un moins 5. Recherche-moi comme info. S'il y a d'autres messages qui seraient passés Il regarde dans les communications du navire, vérifier s'il y a des messages qui sont passés en scred. Ça passe. Easy peasy. Effectivement, alors, tu as une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu ne vois pas de communication envoyée du navire vers l'extérieur avant votre rencontre avec la créature. La mauvaise nouvelle, c'est qu'à partir du moment où vous êtes fait attraper par la créature, toutes les communications ont été supprimées. Donc tu ne sais pas s'il y en a eu à partir de là. Mais comment ça supprimer? C'est qu'elles ont été supprimées de la BDD ou il y en a pas eu? Tu vois effectivement qu'il y a eu des échanges, mais tu ne sais pas s'il manque un disque dur ou des trucs qui ont été arrachés. Ou si ça a été supprimé manuellement, il manque un truc, il y a un trou là. Oui, fondamentalement, ça a été supprimé de la BDD. Ok. Voilà. Super. Et la boîte noire, ça donne quoi? La boîte noire, c'est ça, c'est distribué directement dans la boîte noire. C'est ça. C'est qu'en gros, il y a des gens qui ont. Il manque des boules. Voilà, donc je vais prévenir nos responsables ainsi que mes amis. Et bah. Quand je dis le responsable, c'est toujours le même, hein. C'est le seul auquel on fait à peu près confiance depuis le départ en fait. Antoine. Ouais, voilà. Antoine qui a des cernes qui lui touchent les pieds, là il est en mode mais putain. Je crois qu'il en du coup, voilà, je vais le voir, j'ai dit en fait, je vérifie, il y a quelqu'un qui a sabordé les informations qui étaient envoyées pendant que se faisait attaquer par la créature. Merci de ces informations, tu vois qu'il appelle Morgan et il chuchote quelque chose à l'oreille de Morgan qui visiblement va rentrer à l'intérieur du vaisseau faire quelques vérifications. D'accord. La nuit tombe, enfin vous pensez que la nuit tombe, étant donné que cette lumière étrange qui vient du bout du couloir est toujours présente. Les quelques hommes qui sont partis en expédition ont fait remarquer que cette lumière vient d'un cristal blanchâtre particulièrement lumineux et qu'il y en a un peu partout dans les boyaux, même si visiblement ils ne sont pas naturels, ou en tout cas pas entièrement naturels, car... ils sont mis à des distances plus ou moins équivalentes, suffisantes en tout cas pour que l'intégralité du boyau soit lumineux. C'est quand même curieux pour une structure naturelle. Certes. La nuit tombe et du coup, un par un, les tentes ayant été mises et un repas fait avec ce qui a pu être sauvé des ressources et de la cale du navire, commence à être servi à tout le monde. Helm, tu es très content de récupérer un repas. C'est un repas polarien qui t'est servi. Il y a suffisamment de lard et de... de faillot là-dedans pour nourrir un homme pour une semaine. Et tu le déglingues joyeusement. T'es sûr, là, t'as bien mangé, t'es bien solide. T'es sûr que si demain tu manges pas, c'est pas grave. Et tu es à peu près sûr que ça va permettre de réconforter toute l'équipe. Pour votre part, Zegana et Rockart, c'est un peu lourd comme repas.
Bon, c'est pas lourd, voyons, voilà, n'importe quoi. Je t'avoue que j'ai autre chose à penser qu'à surveiller ma ligne, là. Ouais. C'est... Ah, c'est non, des cabines uniques non, ou pas c'est moins un délire de surveiller ta ligne, c'est plutôt un délire du... la dose qu'on vous a servie qui était une pour une personne, vous en avez mangé le tiers et vous êtes en mode « Ah, je n'en peux plus !» Ceci dit, là, mais t'as de réelles raisons de t'inquiéter de la qualité de l'air. Oui, voilà. 1200 PQ qui lâche des caisses, on va mourir, non ? Oui. Nous allons donc mourir asphyxiés. Attention, MD. Ah oui, oui, mais on sait pourquoi. On sait. Edouard, éteins ta clope, éteins ta clope. Quoi ? Plus sérieusement. Et du coup, sinon le bateau, on a eu le temps de faire, enfin, il y a eu le temps des ingénieurs de faire le tour, de voir à quel point il est. Les ingénieurs ont fait une vérification. Les grandes majorités des pièces qui ont été inondées ne sont plus utilisables. Elles sont en train actuellement d'être vidées de leur eau. Et la structure même du navire est extrêmement abîmée dans le sens où un choc particulièrement intense, en tout cas le même genre de choc qu'on a rencontré avec cette créature serait suffisant pour que le navire se brise en deux. Mais la structure est encore suffisamment intacte pour pouvoir être ressoudée de manière à ce qu'il n'y ait plus d'infiltration d'eau. Par contre, si on veut ressouder le squelette du navire, il nous faut une baie de une modification, il nous faut un port en fait. Ouais. Donc en gros le navire peut naviguer sans qu'il y ait de fuite d'eau. Il sera plus lent qu'à l'avant et il y a la moitié des pièces qui sont inutilisables, enfin ou plutôt qui ont été détruites, mais voilà, qui sont pas dangereuses. Et si jamais vous prenez un gros choc, le navire s'éclate en deux, mais il est fonctionnel. Le point positif, c'est qu'il y a moins de gens à bord aussi, donc ça va, on a moins de gens à y mettre. Oui, vous avez de l'espace, et oui. C'est horrible ce que vous dites. Oh oui, mais bon, faut parfois être un peu... D'accord. Du coup, si en plus les analyses montrent que l'eau est potable, et que etc., donc c'est plutôt cool. L'eau de la rivière est potable, oui. Bah, possiblement pendant qu'ils sont en train de qu'on a soigné tout ce qui peut être soigné, qu'on a réparé ce qui peut être réparé ou que le reste va être fait, effectivement on pourra envisager d'aller explorer du coup plus loin. Antoine préfère qu'on attende quelques jours pour vérifier, pour être sûr et certain que les réparations soient faites, de manière à ce que si jamais on croise une créature ou un danger à l'intérieur de ces boyaux, on puisse se rapatrier à l'intérieur du navire et s'éloigner. Est-ce qu'on peut aussi vérifier que personne ne s'en aille subrepticement du vaisseau? C'est assez compliqué à faire, mais il y a des soldats un peu partout qui sont là pour vérifier. Mais si c'est le soldat qui se casse... C'est pas vraiment les soldats lambda. Bah, de toute façon, j'ai envie de te dire, s'ils veulent se barrer, d'accord, mais pour aller où? C'est-à-dire que là, oui, s'il y a du monde qui veut partir, il va partir ou en direction de la grosse créature, ou dans le boyau que personne connaît, donc... Voilà, donc oui, dans tous les cas, si jamais il doit revenir, on va le voir, donc... Oui et non, enfin voilà, le côté boyau, ça m'inquiète un peu plus, mais bon, on verra bien. Une fois, je pars de yacht, peut-être un peu. Alors. Ceci, on sort aussi les véhicules, parce que je me dis qu'on a des espèces de chars, c'est ça Effectivement, de nombreux véhicules sont en train d'être sortis, et de nombreux matériels, ce qui permet d'avoir un campement vraiment solide. Hein. Là, le campement qui est en train de se faire, beaucoup des plaques de métal qui ne sont pas utilisées pour la réparation, et qui étaient là... et qui étaient là pour justement poser un campement, sont en train d'être faits pour non seulement avoir une vraie base avec des vraies installations et pas juste 2-3 tentes, mais aussi faire un mur de défense ainsi qu'une porte et commencer voir aussi à sortir des explosifs et 2-3 outils pour construire des ponts ou autres. Okay. Dans tous les cas, de toute façon, vous avez vraiment une expédition sera beaucoup plus léger aussi. Le vaisseau sera beaucoup plus léger aussi. Oui, ce qui n'est pas forcément un grand changement, mais oui, effectivement. Bah du coup en plus ça permet là à l'heure actuelle de peut-être avoir la possibilité de réparer les brèches qui sont à l'extérieur du navire. Ce qui est en train d'être fait. Ouais voilà. On va pouvoir réouvrir petit à petit les portes et justement évacuer toute la flotte qu'il y a dedans quoi. Oui. Tac tac tac. Je peux avoir ce que je cherchais. Vous vous concentrez donc sur l'installation de cette base, Zegana, sur l'installation d'une baie médicale un peu plus rassemblant les outils que vous aviez à l'intérieur du vaisseau.
Le vaisseau étant vidé de la grande majorité de ses outils pour faire les réparations et pour éviter qu'il y ait eu le moindre problème électrique, hein, tout est transféré directement sur le sol. En tout cas, beaucoup d'outils sont transférés directement sur le sol. Et beaucoup de bois ou de métal est mis de manière à permettre aux gens de se déplacer dans ce campement qui est quand même un campement qui abrite 1200 personnes. 1400 personnes, pardon. Ce qui est pas dégueu. Mmh. Combien de temps on doit attendre du coup avant de pouvoir aller explorer? Une bonne semaine. Ah, oui, histoire semaine. Que la situation le soit réglée. Le campement est construit, le sous-marin est suffisamment réparé pour permettre de fuir en cas d'urgence, même si il nécessitera encore beaucoup de réparations. Les blessés et de nombreux blessés, de nombreux hommes vont rester ici de manière à maintenir le campement et à permettre ici, et à permettre d'avoir une base de retour une fois que l'exploration de ces boyaux seront terminés. Mais sur les 1400 hommes qui vous restent, bien 1000 hommes vont participer à l'expédition et créer des bases sur votre chemin. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Laissant du coup 400 hommes derrière vous. Bon. Alors que vous êtes en train de vous préparer à prendre la route, littéralement, hein, parmi des différentes jeeps, oui. Tanks et autres, Edouard, tu remarques quelque chose. L'enfant qui vous avait rejoint tout à l'heure est actuellement en train de pleurer. Mmh. Il est en train de discuter en polarien avec le soldat avec qui qu'il ne lâche pas d'une patte depuis qu'il arrive ici. Mmh. Et de ce que tu comprends, le soldat a l'air un peu gêné, mais il essaie de lui dire des trucs et l'enfant ne fait que pleurer. Bah je m'approche du soldat et je lui demande ce qui arrive au gosse. Tu sais parler polarien? Bah, le soldat peut parler... Ah oui, effectivement. Le soldat, oui, c'est bon. Le soldat t'explique que lui, il a été sélectionné comme faisant partie des hommes qui vont partir durant l'expédition, et que le gamin veut pas du tout le lâcher, et que c'est la seule personne à qui il parle, et du coup, il sait pas trop quoi faire. Là, ça va commencer à être un peu compliqué. Il jette un œil vers toi, et il fait, c'est pas vous qui avez été sélectionné pour être le chef des Rodiens, avec votre signature Ça nous ferait une autorisation. De quoi, pour vous de rester? Pour le gamin de rester. Avec moi. On peut l'emmener, je veux dire, on est 1000, c'est pas comme s'il risquait grand chose. Et puis si jamais nous 1000, si jamais on doit mourir et que nous on est 1000 à mourir, c'est pas les 400 qui vont réussir à partir tout seuls. C'est pas faux. J'envoie un message du coup aux collègues pour leur demander un peu ce qu'ils pensent de la situation. Parce que bon, moi factuellement, j'ai pas de... Je lui dis que certes, basiquement, on a dit que j'avais l'autorité sur les Rodiens, mais c'est uniquement de la paperasse. Hein. C'est qu'on a besoin de plus que ça. Qui tu vas voir? Tu vas voir Helm, du coup? Je vais en discuter. Enfin, tu sais, je convoque qu'il y a une espèce de petit meeting avec les collègues en vite def, histoire de voir. Hein. Très bien. Qu'en disent tes collègues? Parce que oui, emmener le gosse dans l'absolu, certes, mais est-ce qu'on a vraiment envie de se trimballer un gosse si c'est la seule forme parentale qu'il a, je comprends son état. Oui. Moi, honnêtement, je m'en fous. Ouais, honnêtement, pareil, enfin. Moi, j'irais juste au soldat de s'en occuper, soit il vient avec nous, soit il reste là, mais si c'est le seul à qui il parle et que seul avec lequel il accepte d'être. Qui se démerde, hein. C'est-à-dire qu'il se démerde. Qui prenne le gosse avec lui et qui s'occupe du gosse, quoi. Qui vient ou qui reste, qui s'occupe du gosse, quoi. Ouais, voilà. Enfin, est-ce que lui, dans l'absolu, il est ok pour continuer à s'occuper du gosse? Il est complètement ok pour s'occuper du gosse. Hein. C'est juste qu'il est en mode, si je le laisse ici, il va parler à personne, il va se laisser crever de faim. Et si je l'emmène, j'ai envie de me faire engueuler par les supérieurs. C'est juste ça, en fait. Non, écoutez, embarquez-le. Il vient avec nous. Vous dites que ça vient de notre part, et puis. Si jamais vous avez le moindre souci avec le gosse, dans tous les cas, vous n'hésitez pas à nous en parler, on essaiera de vous filer un coup de main avec ça, quoi. Oula, une tente vient d'apparaître. Voilà. Groupement, près du feu. C'est ça. Vous emportez donc l'enfant avec vous.
je dise pas de bêtises. Bon, déjà qu'on a du personnel scientifique, j'ai envie de te dire, en cas de survie extrême, je pense qu'il se retrouve pas aussi utile que le gosse, donc on est pièce après, quoi. Le trajet se passe sans trop de problèmes. Cependant, le trajet est long. Ça fait déjà 5 jours que vous roulez. Alors, vous roulez pas vite non plus. Hein. La route doit souvent être creusée, forée, permettant de faire une pente suffisamment douce pour les véhicules de passer, ou simplement, si vous êtes dans des grottes naturelles. Dans des hélico, là. Alors, pour le coup, les technologies des véhicules volants dans Polaris, c'est pas ça. Ouais, bah surtout quand on bosse sous l'eau, j'ai envie de te dire, t'as pas trop d'endroits pour tester ça sur de longues distances, quoi. Il me semble que les hélicos existent, mais que c'est super rare, et qu'il y en a genre deux modèles, dont un dans la... dans l'Alliance Polaire, et l'autre, je sais plus, mais... Enfin, même pas sûr, je crois. Enfin, peut-être que je confonds quelque chose, mais enfin, bref. Le trajet est particulièrement long et surtout particulièrement ennuyeux. Même si pour ta part, même si pour votre part, Zegana et Rankar, vous êtes émerveillés de voir tout ce qu'il y a autour de vous et tout ce boyau qui n'est pas censé se trouver à une profondeur pareille et surtout qui a l'air naturel mais qui a une drôle de sensation artificielle. Le chemin est suffisamment peu pentu pour permettre qu'avec un petit peu de travaux, les voitures puissent passer. Il y a de l'eau potable, l'air est respirable. Vous n'avez pas de problème de luminosité. Pour l'instant, vous n'avez croisé aucune menace. Comme si cet endroit avait été créé comme une sorte d'entrée pour vous. Hop. On remarque le petit panneau welcome. Alors que vous êtes en train de poser votre campement, un peu plus loin, une grande arche de pierre va vous servir de pont pour continuer à avancer. Et lorsque vous regardez dans les profondeurs sur les côtés de cette arche de pierre, vous pouvez voir un énorme fossé rempli de créatures ailées. Zegana et Rankart, avec les scientifiques, vous êtes en train d'hésiter à aller demander à quelques hommes de descendre ou de descendre avec quelques hommes pour vérifier ce que sont ces créatures. Et Vassiliev et les Polariens ne sont pas vraiment pour, se disant que tant que ces créatures dorment, laissons-les là-bas, les faisons pas chier. Je comprends la logique, mais le truc c'est que si visiblement elles sont nombreuses et potentiellement pas si loin que ça, est-ce que ça serait pas mal de faire un minimum de travail préemptif pour savoir comment les pacifier si elles deviennent agressives? Alors je propose pas qu'on aille en faire une étude ou qu'on en capture, juste aller, encore une fois, prélever des échantillons pour voir ce qui peut être analysé. On a plein de pacificateurs sur les voitures. Des pacificateurs. Nous avons sur le tank. Pacificateurs. Ouais. Ceci dit, avec autant de respect que j'ai pour les différents scientifiques de l'expédition, ce qu'il y en est dans leur connaissance des oiseaux volants, enfin des oiseaux ou des créatures volantes, on dit, je doute fortement de leur capacité à... Voir ce que c'est, mais encore une fois, on peut savoir si c'est susceptible à l'électricité, susceptible à l'acide, susceptible à ce genre de choses. Ça oui. Ça permet de savoir comment les contrôler. Mais ça peut prendre aussi le risque de, si on fait ça et de les réveiller, de ne pas savoir quoi faire parce qu'elles sont agressives directement, ou alors on aurait pu ne pas les réveiller du tout. C'est possible, mais le truc, c'est que si on est parti pour rester ici pendant longtemps, plus on reste, plus les probabilités qu'elles se réveillent sont élevées. Autant être en mesure de pouvoir s'adapter quand elles se réveilleront, plutôt que d'improviser au dernier moment. Ouais, essayer d'en trouver une isolée et de voir un peu s'il y a la limite, mais... Mais... Facilief se retourne, a dit ou alors faire en sorte qu'elle ne se réveille pas. Allez, on lance son âme là-dedans, et voilà. Alors, moi, à mon avis, c'est de pas y toucher, hein, parce que nom de dieu de bordel de merde, on veut pas réveiller des saloperies dans un territoire qu'on connaît pas, quoi. Alors que vous approchez de ces créatures, est-ce que Zegana fait partie? Sérieux?
Ah bah, grande question, Zegana. Est-ce que du coup, tu y vas avec quelques hommes vérifier un petit peu ce que c'est? Alors, moi, je n'y vais pas. Non, je vais envoyer des chercheurs accompagnés de personnel militaire. Et encore une fois, pour le coup, uniquement si les Polariens sont d'accord. S'ils ne sont pas d'accord, bah écoutez. C'est pas qu'ils n'ont pas d'accord. L'ambiance est bien plus à la négociation. C'est qu'ils ne sont pas pour. Mais ils disent effectivement, c'est pas bête. Je leur ai présenté les arguments. Pour moi, c'est une question de sécurité. Au-delà de cela, c'est dans leurs mains. S'ils acceptent de nous prêter quelques hommes pour vérifier ça, bah, je vais envoyer effectivement des chercheurs. Avec pour tâche de prendre vraiment le spécimen le plus isolé, bref, de courir le moindre risque possible et de ramener des échantillons. S'ils ne sont pas prêts à prendre ce risque, bah, on ne le prend pas et ils assument les conséquences si jamais ça dégénère et qu'on n'a pas de quoi les gérer. Bah, le problème, c'est que de toute façon, si jamais. Là, disons que si on fait un move vers eux, si ça dégénère, on a dans tous les cas pas de quoi gérer. Le truc, c'est qu'il y a une différence entre ça dégénère et tu y es préparé parce que justement, tu es prêt à affronter qu'il y a un truc qui dégénère. Et merde, c'est le milieu de la nuit, ils sont réveillés et on n'est pas prêt. Bah, déjà, est-ce qu'on peut de visu inspecter ça avec tous les spectrogrammes qu'on a, histoire de déterminer un peu la gueule qu'a leur. Ne serait-ce que leur épiderme ou quoi. Ces créatures font à peu près la taille d'un être humain. Elles ont une peau particulièrement fine. Selon vos indications et vos outils, elles doivent faire moins de 50 kilos. Oui, parce que ça vole, quoi. Et ça a l'air particulièrement maigre. Ça n'a pas l'air de bouger. Et Vassiliev, tu regardes vraiment Zelgana. Tu vois que c'est pas un ordre, mais qu'il apprécierait que ça soit toi qui mène quelques hommes, même si ça serait sous ta responsabilité. Parce qu'il a pu voir ce que t'as fait, il a pu voir comment tu gérais tes troupes. Et c'est pas qu'il a pas confiance en Douyou ou en n'importe quel soldat, hein, c'est pas ça. Mais au moins, vous, quand on vous fait des remarques, vous écoutez. Oui, maintenant, écoute, s'il faut dans ce cas, oui, je vais prendre trois des chercheurs en qui. Bah, trois de qui j'ai confiance, et puis je vais demander à Helm de me filer des hommes pour nous escorter, et puis on y est. Bah, je t'accompagne pour t'escorter dans tous les cas, de toute façon. Okay. Très bien. Vous allez donc tous les deux venir. Je te mets des zones aussi, mais. Vous allez donc tous les deux venir avec moi en aparté un instant, s'il vous plaît. Ok. Hop. Et alors là, on va rigoler. Alors. À quel moment on meurt ? Vous approchez donc des créatures. Ou plutôt d'une créature qui est un petit peu plus éloignée des autres. Lorsque vous vous approchez, vous allez donc pouvoir voir de vos yeux à quoi ressemblent ces créatures. Ah, la musique. Ah oui, d'accord. La musique a décidé de suivre. Ok. Si ça veut bien marcher, le jeu. Merci. Voilà, tu vas donc pouvoir voir la créature Onyxio, et tu vas donc pouvoir voir la créature... Edouard, et tu vas donc pouvoir voir la créature... Zegana. Oui. Ça a l'air sympathique, en effet. Alors attends, tac, tu l'as envoyé où ? En MP sur Discord. Alors, moi, pour moi, c'est une balle immédiatement dans la tête. Vous allez tous me faire un jet de volonté, les gars. Tu vas faire un jet de volonté avec un bonus de plus 2. Car tu as l'habitude des créatures qui sont, on va dire, disgracieuses. Étant donné que tu travailles dans des milieux où mutations génétiques ne sont pas gênantes. Ça a réussi. C'est une réussite. Ouais, bah. Ça me fait 8 pour 20, donc ça va. Ou tu fasses moins de ta stat en volonté, mon cher. Eh bah... Vous êtes prêts à ce que ça casse? J'aurais mieux fait de pas venir. Ça ne passe pas, de 5. Ah oui, c'est vrai que t'es une catastrophe. Hein. Ouais, j'ai de la merde. Tu, effectivement, dois te retenir de ne pas tirer une balle immédiatement vers cette horreur. Parce que toi, ce que tu vois, c'est pas du tout une chauve-souris. Hein. Même si Degana voit des traits similaires avec une créature humaine. Toi, tu vas un humain qui a subi des expériences horribles et qui est en mode « Tuez-moi !» Et tu sais que cette vision, tu vas en faire des cauchemars. Ouais, voilà, je vais en faire des cauchemars. Et surtout, j'ai littéralement le Dragnov pointé vers la bestiole et au moindre mouvement, ça part. Hein. Non, attends, je vais plutôt... Je vais réfléchir avec la situation et je vais sortir mon silencieux. Très bien. Là, vu qu'il y en a deux caisses autour, on va éviter. D'un liquide brunâtre relativement étrange, et malgré ses grands yeux ouverts et ses multiples bouches ouvertes,
tu remarques, Zegana, qu'elle n'a pas l'air de bouger. Donc, ou cette créature est en train de dormir les yeux ouverts, ou elle n'est vraiment pas du tout agressive à votre présence. En tout cas, elle n'a absolument pas bougé depuis que vous êtes là. Outre le fait d'avoir bougé de manière notable, est-ce que je peux remarquer des traces de souffle, de respiration ? À l'œil, non. Tu sors quelques outils pour vérifier. Oui, mais ça t'a l'air extrêmement faible. Est-ce que je peux regarder... Une sorte d'hibernation, donc. Est-ce que je peux regarder autour de la créature, voir s'il y a des marques de déplacement récentes ? Parce que vu les griffes qui se trimballent, je pense que ça doit laisser des marques dans la pierre. Il n'y a pas de marques de déplacement récentes. La seule chose que tu vois, c'est au niveau de ses pieds, de nombreuses marques de blessures, comme si elle s'était fait griffer par quelque chose. Au pied ? Oui. Ok, du coup, je regarde... rapidement, du coup, les alentours, jette un œil aux alentours, au sol, voir si jamais je vois des choses, des bestioles ou des trucs comme ça. Tu vois pas grand chose, pas de bestioles en tout cas. La seule chose que tu remarques, c'est que le sol est extrêmement poreux, rempli de petits trous, ce qui permet justement aux créatures qui est devant toi d'enfoncer ses longs doigts à l'intérieur de ces trous, comme des boules de bowling. Mais pour pouvoir se poser, justement. Et vraiment, tout le fossé dans lequel vous vous trouvez est rempli de petits trous comme ça. Ok, est-ce que je peux subrepticement regarder dans un de ces orifices, justement, voir si je vois quelque chose ? Tu prends ta lampe torche et passes ton regard à l'intérieur d'un de ces orifices. Mais en restant de loin, quand même, hein, vraiment, je cale pas ma tronche devant, c'est vraiment... Bah, le truc, c'est que c'est un orifice en forme de trou dans lequel tu mets un doigt, t'es obligé de mettre ta tête un peu devant pour voir quelque chose. Hein, devant, mais pas... juste littéralement l'œil devant le trou, tu vois, genre une distance de sécurité. C'est-à-dire que vous êtes forcément devant pour pouvoir venir ici, vous avez marché sur ce genre de trou. Oui, d'accord, ok. Ça donc marche. Pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, t'es obligé d'approcher ton œil, t'as pas le choix. Oui, d'accord, ok. Mais je mets ma main, tu sais, j'ai la lampe avec ma main blindée devant, tu vois, au cas où si jamais il y a un truc qui saute. je me méfie de tout. Tout le stress du monde à regarder à l'intérieur de ce trou, et à l'intérieur de ce trou, tu vois. Pas grand chose si ce n'est que c'est relativement profond, tu vois pas le bout malgré ta lampe torche et plusieurs traces comme quoi ça a été utilisé régulièrement comme si on entrait et sortait quelque chose de manière très régulière. La pierre est relativement usée. Je suppose que ce sont les doigts de la créature qui, lorsqu'elle marche, s'enfonce à l'intérieur de ses trous, puis ressort, puis re-rentre, puis re-rentre, puis ressort. Ok, donc il y a une grosse activité dans le coin visiblement. Je check par acquis de conscience, quelques-uns aux alentours également pour voir l'état. Si l'état est le même. L'état est plus ou moins le même sur tous les trous que tu observes. Ok, donc j'informe Zegana du coup qu'effectivement, semblerait qu'il y ait du mouvement, il y a un lieu commun et de passage régulier pour ces créatures en tout cas. S'il y a du mouvement, ça se passe dans le coin. Très bien, ce qui semble effectivement pas très très étonnant. Est-ce que, du coup, on peut faire des prélèvements sur l'une de ces créatures qui seraient isolées des autres ? Alors, c'est la créature devant laquelle vous vous trouvez. Grande question, comment fais-tu ces prélèvements ? J'ai l'impression que si tu lui fous une aiguille dans le bide pour prélever des trucs, ou si tu commences à gratter avec un scalpel, je suis pas sûr que ça réagisse très bien. Alors, il va y avoir deux manières de faire. C'est-à-dire que les prélèvements les moins intrusifs, ça va être des prélèvements qui vont pas nécessiter de... Comment dire ? De pénétrer en dessous du derme, donc ça va être des trucs avec scalpel ou racloir pour prendre des échantillons de peau morte. Ouais, faire une analyse à partir de ça. Ça va être analyser les résidus sous les ongles, ce genre de choses. Ok. Parce que sinon, dans l'absolu, je peux te péter la nuque. Je vais pas faire de prélèvement de sang, je vais pas faire de biopsie, je vais rester sur du non-intrusif. Ouais, parce que dans l'absolu, je peux lui péter la nuque et ça suffit. Hein. Tu vas me faire, s'il te plaît, un G Zegana, un G2. Médecine. Dans l'absolu, du coup, je me positionne avec la... Tu sais, je sors ma Dakshar. Oui, avec un malus de moins 4 pour réussir à le faire de la manière la plus discrète possible. Ah, et moi, du coup, en sécurité, je me pose avec ma Dakshar par-dessus pour sectionner les cordes vocales de la bestiole si jamais... et que ça commence à bouger un peu trop, quoi. 9 pour 15, du coup, ça passe. Tu récupères donc quelques échantillons et vous vous éloignez. Allez. Et avant d'aller faire l'analyse, je vais donc faire part des observations des doigts ainsi que des miennes, à savoir que pour ma part, elles sont en hibernation, donc pas mortes, et que potentiellement c'est actif, et du coup qu'il faut une veille permanente H24
près de la fosse. Très bien. Parce que vous, on n'a pas moyen pour l'instant de savoir quand ils vont se réveiller. Remonter. Bah oui, du coup. Hein. Je remonte tout en jetant des coups d'œil à l'arrière, quand même, pour voir si jamais il y a du mouvement ou des choses comme ça. Il n'y a pas eu de mouvement. Lorsque tu remontes, vous commencez vos analyses. Un petit campement pour la nuit a été mis car a été mis un peu plus loin de manière à envoyer quelques hommes vérifier si ce pont naturel pourra bien être exploité pour passer au-dessus de la fosse ou il faudra passer au cœur de la fosse. Même si après les retours que vous avez pu faire, d'ailleurs nous allons retourner avec les autres. Je recommande pas de passer au cœur de la fosse, hein, clairement. Nous allons retourner tout de suite avec les autres d'ailleurs. Allez. Tu crées une 0-0 en color construct Artuf. Qui est cette créature gagne plus en plus un pour chaque artefact que tu contrôles. Ouais, c'est bon, ah, dans vous le voyez donc revenir. Dans le doute, c'est de la saloperie, c'est dégueulasse, ne regardez pas ça dans les yeux. Hein. Vous avez vu, du coup, revenir Edouard et Zegana. Edouard a l'air terrifié, ce qui vous surprend pas trop. Ah. Zegana, un peu moins. Zegana revient avec des échantillons, visiblement des peaux mortes, des morceaux d'ongles et quelques. Des échantillons qu'il a pu récupérer de cette créature. Et vous commencez à poser un petit campement prêt à attendant le retour de quelques hommes qui sont en train de vérifier si le pont va être utilisable pour votre expédition. Ce que je peux vous dire pour ces créatures, c'est qu'elles ne sont pas mortes, elles sont en hibernation. Et que du coup, il est impossible de savoir quand elles vont se réveiller ni ce qui peut les déclencher, et que du coup, il faut les surveiller en permanence. Oui, parce qu'on peut décemment imaginer, si elles sont famélique, que c'est parce que leur source de nourriture n'était plus là. Or, depuis longtemps, certainement qu'il n'y a plus de créatures ici. Peut-être que notre arrivée, elle fait qu'il y a des créatures, les réveille pour qu'elles puissent se repaître de notre essence. Ma principale inquiétude, et pour le coup, je ne pense pas que les échanges que j'ai pu recueillir me permettront de le savoir, mais on ne sait jamais, c'est de savoir qu'est-ce qui va les faire sortir de leur hibernation. Quels sont leurs sens les plus affûtés? Est-ce que ça va être la détection de la chaleur, du bruit, des vibrations, de l'odeur, etc. Mais je pense que, parce qu'au vu de la luminosité de la caverne, et comment, naturellement, je veux dire Relativement suffisamment pour que vous puissiez voir où vous mettez les pieds, mais vous ne voyez pas très très loin non plus. Ouais, donc je pense que ça doit, principe, si ça tire vers la chauve-souris, ça doit être probablement de l'écolocalisation. C'est parce que, est-ce que, au niveau des yeux de la créature, est-ce que ça te donnait. Est-ce que c'était les yeux étaient complètement blancs et complètement ouverts alors que bah, normalement, de ce que vous avez vu, elle était en train de dormir. Oui, donc ça bossait, ça bosse uniquement. Mais ouais. Il y a aussi un monde où c'est les vibrations parce que vu la gueule des membres, pour peu qu'ils aient des cellules qui permettent de détecter les vibrations, ils ont le moyen de couvrir des surfaces immenses et du coup d'être extrêmement sensibles à ce genre de choses. Mais après, je pense que ça doit être en tout cas, dans l'absolu, l'expérimentateur du coin, parce que si t'as un truc qui s'approche, et si tu sens des vibrations et que ça travaille pas de ton hibernation, c'est que soit t'en as rien à foutre et t'es vraiment la seule espèce du coin, soit t'es le plus gros truc qui traîne. Donc. Ce qui pose la question de comment ils se nourrissent. Mais bon, après, ça c'est une autre question. L'avantage c'est que ça a l'air extrêmement fragile, donc une balle dans le buffet, ça doit pas trop leur faire plaisir. Que j'ai fait ? Je me pose la même question tous les jours, mec. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait, oh mon dieu ! Oh non, pas Sophie. Dans ce cas-là, que fait-on ? Est-ce qu'on avance ? On espère qu'on n'est pas là. Pour le coup, là, les hommes sont partis vérifier que le pont était exploitable pour les véhicules. Parce que s'il ne l'est pas, il va falloir passer au fond du truc, donc dans le fossé, là où il y a les créatures. Ah ! De toute façon, on doit bien avoir quelques bombes, on doit avoir quelques grenades soniques de plongée, donc dans l'absolu, on peut toujours leur fracasser les tympans avec. Oui. C'est les grenades à picots bleus qui courent très vite, c'est ça, les grenades soniques. Je propose de jeter le duc Rancart en sacrifice aux créatures de la fosse. Ah, je n'aurai aucune chance, je ferai un piètre, je ne ferai qu'un apéritif. Ouais, bah oui. Moi, juste la réveiller lors de la fin. C'est ça. Non, c'est vrai qu'il y a pas quoi, c'est mini bizarre. Donnez-nous plus. Zegana, alors que tu fais tes observations, tu vas me faire s'il te plaît un jet de médecine vétérinaire avec un malus de -4. Quelle drôle d'idée.
pour voir si quelque chose, si voilà, si tu vas remarquer quelque chose ou pas. Ça remarque très largement. Ouais, tu remarques quelque chose, cette créature, ou plutôt les pattes et la peau de cette créature, la fameuse substance brunâtre que tu avais vue sur elle, est visiblement porteuse d'une maladie que tu connais et dont tu ne connais pas le remède. Pour l'instant, tu connais juste des manières d'atténuer la douleur de cette maladie, qui s'appelle la pseudo-tumeur orbitaire. Le nom est sympathique. C'est une maladie particulièrement rare qui n'a été pour l'instant repérée que sur quelques sensus des profondeurs. J'aimerais bien juste que mon truc fonctionne. Et qui est connue pour... Je vais t'envoyer la description et tu utiliseras tes mots. Ok. Dégueulasse sort sur 20. Alors, hop, hop, hop. Ta fiche est ici. Mais vu de loin, ça a l'air super sympathique. Vu de loin, oui. Je vais te l'envoyer, tu peux cliquer dessus. Alors c'est tout petit, mais tu peux cliquer dessus. Un moment pour lire. D'accord. Globalement, c'est une tumeur qui pousse à l'intérieur de ton cerveau, mais qui n'est pas une tumeur qui attaque tes cellules, c'est une tumeur qui forme une masse, et cette masse pousse littéralement ton cerveau et tes organes vers l'extérieur du crâne. Voilà. Ça a l'air vachement sympa. Ouais. Et non, c'est super ça comme bestiole. Ah, j'ai hâte que du coup, ça fait maux de tête, cécité temporaire, voire permanente, perte de conscience, hallucination. Bref, c'est fun, hein, voilà. Alors, malgré l'horreur de cette maladie, Zegana, ce qui te plaît un peu dans cette découverte, c'est que tu sais, et la République du Corail sait que cette maladie existe, mais c'est super dur de faire des recherches dessus parce que les petites sangsues qui font ça sont extrêmement rares et souvent elles n'ont qu'un tout petit peu de ce poison. Là, pour le coup, t'en as une méga source, donc tu peux faire des recherches un peu plus librement que d'habitude. C'est juste con que t'es pas autant d'outils que quand t'es à la capitale. Oui, bah, pour le coup, je vais du coup noter toutes mes observations dans mon journal et avec l'intention de les... Si jamais on ressort d'ici, de les transmettre. Puis je vais faire des tests beaucoup plus poussés que ce que j'aurais fait juste ordinairement, qui était à la base les tests que je vais faire, c'est est-ce qu'on peut les taser, est-ce qu'on peut les gazer, en gros, hein, globalement. Alors, pas beaucoup plus que ça. Là, tes tests montrent que ces créatures sont complètement mortelles, hein, tu peux les taser, oui. Elles n'ont pas l'air de respirer beaucoup et tes analyses ne sont pas suffisamment poussées pour savoir comment fonctionne leur système respiratoire. Tu penses que les gazer devraient fonctionner, mais tu sais pas à quel point elles en seraient sensibles. Par contre, s'il y a un truc que t'es sûr, c'est que la toxicité du mucus qu'ils ont sur la peau est suffisante pour que quelqu'un la touche, je veux dire directement de peau à peau, il est infecté par cette maladie, à partir de là, bah, toi tu connais pas de remède si ce n'est une trépanation, on enlève la tumeur dès qu'elle est apparue, quoi. Donc c'est pas ultra fonctionnel. Je transmets ça pour le coup à toutes les têtes pensantes d'expédition, notamment aux militaires, en mode c'est pas envisageable. Le combat au corps à corps n'est pas envisageable. Quelqu'un qui les combat au corps à corps doit être mis en quarantaine immédiatement. Bref, c'est vite compliqué. Tu sais que si jamais Edouard se retrouve en contact avec ça, va falloir lui enlever des bouts, mais à l'intérieur de la tête, c'est pas. Du coup, bah, je vais convoquer une séance, on va dire, un peu extraordinaire de dirigeants d'expédition et leur expliquer un peu le problème. Enfin, la question, à savoir, on a une opportunité unique au monde d'étudier une maladie qui existe dans le monde extérieur, mais qui est quasiment possible d'étudier jusqu'ici incurable. Il y a des spécimens où il est peut-être possible d'en récupérer un, on va dire, vivant et de pouvoir étudier, donc d'en tirer littéralement un vaccin pour le sida, quoi, l'équivalent. Mais il y a un risque. Du coup, bah là, voilà, j'ai, pour le coup, je vous dis, d'un point de vue médical, c'est potentiellement quelque chose d'extrêmement important pour l'espèce humaine à l'échelle mondiale. Mais c'est une maladie extrêmement rare. Après. Mais oui, voilà. Il y a un danger, c'est pour ça que je vous demande vos avis pour estimer ce qu'il en est. Je vous ai donné mes préoccupations sur ce que ça peut apporter, aussi sur ce que sont ces créatures et les dangers qu'elles représentent. Je vous donne tous les résultats de mes analyses et de mes tests. Maintenant,
Est-ce que vous pensez avoir les moyens de sécuriser le temps que effectivement on prenne un spécimen et qu'on étudie plus en détail. Tu peux vraiment faire ça maintenant, sachant que t'as quand même toute une expédition à gérer quand même. Du coup, vous pouvez voir la créature qui a été prise en photo et qui est présentée du coup à l'expédition. Yep. Yeah. C'est dégueulasse, mais. En fait, bon, la question, c'est dans quelle mesure elles ont en danger de se réveiller, parce que si elles se réveillent, on tuera suffisamment pour que tu puisses prendre tout ce dont elles ont. Pour le coup, ouais, voilà. C'est un peu le problème, c'est que je saurais pas vraiment te dire, du moins, enfin, corrige-moi Tom, mais mes analyses m'ont permis de savoir que elles sont mortelles et du coup, on peut les buter, que l'idéal, c'est probablement de les taser ou alors de les noyer, mais le gaz sera pas forcément une option et qu'il faut pas les toucher. Elles sont clairement en état de catatonie sévère. Donc une forme d'hibernation vraiment très avancée, mais je n'ai pas pour l'instant moyen de déterminer quels sont les stimuli qui vont potentiellement les sortir de cet état. Une balle dans la tête, peut-être. Ça la sortira pas de l'état. Ça va l'endormir peut-être un peu plus. Doudou, faites beau rêve. Bah, ça tombe bien, il faut des spécimens. Et tu m'as dit, il y a combien, quelle quantité de ces créatures? Beau paquet, je crois. Il y en a plusieurs centaines au fond de le fossé. Sachant que vous êtes 1000 là dans l'expédition, vous avez largement de quoi tuer cette créature. C'est oui, d'accord, que... mais on sait le profond d'une vieille maladie. C'est juste que si jamais ça vous touche, c'est compliqué quoi. Il y en a beaucoup qui sont à pied ou la plupart sont dans des véhicules? Les créatures? Non, là vous êtes à pied dans le sens où vous êtes tous en véhicule quand vous vous déplacez. C'est juste là vous êtes à pied parce que vous devez organiser un petit campement pour la nuit, vous êtes en train de réfléchir à est-ce qu'on va traverser le pont ou est-ce qu'on traverse le fossé. Ouais, on est d'accord que c'est monstrueux comme bestiole quand même. Ça ressemble à quoi? Sinon c'est des genres de... C'est dégueulasse, hein. Oui, ça a l'air de... ça ressemble, et selon l'analyse de Degana, ça a le corps d'une chauve-souris humanoïde. C'est Batman, oui, mais des versions dans l'idée, c'est qu'en plus de ça, si ça se réveille, c'est on peut se balancer du son, des ondes dans tous les sens. Faut qu'elles soient en mode complètement paumées et aveugles, hein. Donc elles vont s'écraser contre les murs, elles vont se taper entre elles et on pourra faire un massacre. Autrement dit, deux trois flashbangs et puis on en parle pour plus. Pour le coup, si on veut juste les repousser et pas les tuer, le son, genre une grenade sonore ou une grenade ou une flash, pourrait avoir un bon effet. Mais il faudrait aussi prévenir le campement de base au cas où. De ce qui, on peut communiquer avec le commandement de base. Vous, oui, vous avez déjà laissé quelques hommes dans des petits campements un peu partout. Ouais. Vous arrivez donc à envoyer des messages suffisamment loin de radio en radio pour communiquer avec le campement de base. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles. Le seul truc, c'est que là, vous êtes à 5 jours de trajet en véhicule du campement de base. Et vous, c'est la première fois que vous voyez de la vie, entre guillemets. Certes, donc, mais bon, au moins qu'ils sachent ce qui peut éventuellement voler jusqu'à eux. Ce qui peut être vraiment inquiétant, c'est que Edouard a relevé des traces d'activité dans la fosse. Ce qui donc ça peut se trouve, il y en a indiquer plus que 100, c'est... ou ça se trouve, il y a autre chose. Voilà. Voilà. Qu'il y en a peut-être d'autres, ou que c'est un lieu de rassemblement, de passage, bref. Impossible de savoir si les spécimens qui sont là-dedans sont les seuls, ou s'il y en a d'autres qui pourraient éventuellement se réveiller, arriver, etc. Ouais. Dans le doute, éventuellement faire une analyse du flux polaris, voir si ces choses-là réagissent et envoient quelque chose. Est-ce que t'as vraiment envie de faire un test polaris dans une salle, hein, du flux. Tu peux faire un jet de ça va alors. Quand il foire son sensation du flux, il a mal à la tête et c'est tout. Donc, ça va. Bah, il sent rien. Voilà, tu vois, je sens rien. Ouais. Et... ça sent les paillots. Mal à la tête. Ça sent les... manger ça, s'il vous plaît. Bah déjà, les bestioles n'ont pas d'odorat, hein, parce que si, vu ce qu'on a bouffé comme faillot, c'est pas impossible que les machins... Ouais. Ah, mais oui. C'est le culto polarien pour les nos soldats tombés. Les hommes reviennent, le pont est exploitable par les véhicules. Si tout le monde est conscient du danger qu'il représente, c'est-à-dire que si jamais on nous attaque, que tout le monde est à l'intérieur des véhicules et que ceux qui sont, entre guillemets, possiblement contaminés, se mettent en quarantaine, etc., moi je propose qu'on passe en essayant de ne pas les réveiller. Et au retour, parce que j'imagine qu'on passera par là, à ce moment-là, on fera les prélèvements pour... On prend note, et puis on se tire, parce que, encore une fois, on va pas rester là trois quarts d'heure non plus, parce que... Au-delà de ça, la maladie qu'elle permet de guérir est quand même une maladie extrêmement rare, donc c'est pas non plus vital. Ça serait bien, mais c'est pas non plus quelque chose d'ordre prioritaire. Quoi. C'est pas vital, mais comme pour toutes les choses qui sont des maladies rares, les éventuelles ramifications d'une découverte médicale peuvent toucher bien au-delà de la chose. Mais au retour, ça me va très bien. Oui, voilà, on verra ça au retour.
Très bien. Vous continuez donc votre trajet. Au bout de 2 jours de route supplémentaire, ayant pu remarquer la présence de ces créatures de manière un peu plus régulière, elles sont toujours en train de dormir et toujours dans les profondeurs des routes, dans des grottes ou des renfoncements. Vos hommes ont toujours fait très attention à ne pas les réveiller. Vous êtes tombé sur un cas où une créature comme ça s'est réveillée, où elle était directement sur la route, et visiblement réveillée, elle a rampé, ou plutôt marché extrêmement lentement dans votre direction. Zegana, tu penses que c'est par curiosité ou par... elle n'a pas réussi à déterminer si la voiture qu'il y avait de tête était une proie ou une menace. Et elle est partie s'accrochant au mur et s'éloignant un peu plus, beaucoup plus vite qu'à la vitesse à laquelle elle s'était approchée. Dès qu'elle a touché le véhicule d'une patte. Des analyses ont été faites. Quelques touches de poison ont été récupérées sur le véhicule, mais le poison n'attaque pas le métal. Non, mais du coup, pareillement, après, les échantillons et l'analyser. Très bien. Hop. Lorsque vous arrivez devant ce qui ressemble être une grande tour de pierre, vous êtes vraiment dans une grande caverne tenue ou plutôt au centre duquel se trouve une grande tour de pierre sur laquelle plusieurs bases se retrouvent sur les côtés. J'arriverai pas à le décrire, donc je vais le dessiner un petit peu plus vulgairement. Au centre se trouve tac, vous êtes là. Ici. Et au centre de la base se trouve vraiment une immense tour de pierre sur laquelle se trouvent plusieurs plateformes de pierre naturelles, telles des champignons à plusieurs étages. Ok. Bon bah. Sur ces plateformes, vous pouvez voir des statues. Statues visiblement de pierre représentant des formes humanoïdes. Malheureusement, vous êtes bien trop loin pour réussir à voir ce qu'elles représentent. Si vous avez des jumelles, mais là, les statues, elles sont recouvertes de visiblement d'humidité, de calcaire et autres. Faudrait vraiment être très proche et peut-être que les creuser un petit peu pour voir ce qu'elles sont censées représenter. Ok. Là, vous arrivez juste à vous dire c'est des statues probablement humanoïdes. Ok. Rancart, pour le coup, il y a ton âme d'archéologue qui est à fond là. Là, tu veux savoir. Rancart qui nous a quitté. J'entends bien. Après, les bestioles. Comment te dire ? J'ai l'âme d'archéologue qui me dit oui, j'ai envie d'y aller, mais je me rends compte aussi qu'il y a des bestioles qui potentiellement me font exploser le cerveau de l'intérieur, et ça, c'est moins sexy. Mais en effet, je prends des notes et dès que j'aurai la possibilité, j'irai. Très bien. Quelques hommes sont envoyés observer et partir en éclair de cette grotte pendant que vous êtes en train de vous poser. Et alors que ces hommes passent, vous avez juste le temps de les entendre hurler à la radio comme quoi ils se font attaquer. Quelques coups de feu résonnent à l'intérieur de la grotte, vous voyez quelques flashs. Vous avez cru voir la forme d'une créature à 5 pattes, mais vous n'en êtes pas sûr. Et le calme retentit. Tout le monde est prêt à se battre. Et nous allons arrêter ici pour ce soir. Bon bah, toujours une bonne ambiance. Une étrange créature. Une bestiole à 5 pattes. Ok. Comme tu dis. Parce que c'était de loin. Ouais, c'est ça. C'était un mouton. C'est ça. Un mouton à 5 pattes. Hop, nous avons donc dit au revoir le stream. Merci beaucoup de nous avoir suivis lors de cette bonne... Bah d'habitude c'est soirée, mais là c'est plutôt après-midi, fin d'après-midi. Bah ouais, après-midi du dimanche, ça me va. Hein. Oui, après-midi. Moi ça m'a arrangé exceptionnellement. Ouais, grave. Ouais. Là, j'ai un trou d'une heure et demie, 2 heures, entre 20h et 21h30 où je vais pas être dispo, donc en fait c'était un peu compliqué. Ouais. Voire 22, donc... Et au moins comme ça on aura pu... Bien avancé, je vous dis au mois prochain. Ouais. Yep, carrément. À la prochaine. Et bien sûr, j'ai